Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Il est 21h, pile poil quasiment. Là, on est vraiment à l'heure. Hein, on est avec Alain Benajal. Tu crois que c'est une performance? Ah, bah tiens, pour nous. Quand on fait de la télé, on doit être à l'heure. Ah oui, mais il y a télé. T'es bien placé pour le savoir. Donc, bonsoir à tous. Bah, bonsoir à voilà, tous ceux qui sont sur le chat là. Alien, Fay, Mister Joe, j'ai vu, il y a Décus, Gaspard, Emily, Elephéros, Gorgus, ah bah tiens, Victor Doom, Doom, Steph, Alex B, Annie, Nico Strip, comment dire, Titou, Erwan, Datagram, voilà, il y a même Doc, voilà, bah, on Jimmy, Piotro, Ritlo, putain, il y en a, ils ont des noms impossibles à prononcer. Donc, en tout cas, bah, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, la Libre Antenne saison 2 avec Alain pour parler de plusieurs choses ce soir. On a dit déjà qu'on commencerait par l'Ukraine. Pour donner voilà, on va parler de l'actualité. Voilà. Quand même, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est quand même un show. C'est extrêmement chargé. Ouais. Moi, j'avais préparé, je m'étais promis depuis un moment de faire une petite émission sur la femme médiévale. Après, j'ai dit, tiens... c'est intéressant de centrer sur la femme médiévale, la guerre de 100 ans. On a fait quelque chose à Orléans. Oui. Bon, c'est pas encore passé. Mais bon, finalement, je vais essayer de faire un mix. On va improviser tout ça. J'ai prévu donc parler de la femme au Moyen-Âge, d'en parler même dans le détail, comment elle s'habillait, comment elle se soignait et comment elle se faisait belle. Et puis, pourquoi finalement... les femmes au Moyen-Âge étaient crédibles. Alors ça c'est quand même intéressant parce que c'est une courte période historique dans laquelle le statut de la femme est particulièrement élevé. Donc j'avais montré ici quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est qu'on voit ici la couverture d'Historia. C'est un Historia d'il y a 2 mois. Qui dit « Le Moyen-Âge libère la femme ». Alors, il pousse un petit peu quand même par rapport à c'est un mouvement de balancier, hein, parce que le Moyen-Âge, c'est pour le sens commun, quelque chose de très sombre, de très noir et de très passéiste. Et moi, ça fait longtemps que je prétends que le Moyen-Âge n'existe pas, et que justement, à partir du XIIe siècle, le statut de la femme s'est trouvé renforcé jusqu'au XVe siècle. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de femmes de pouvoir qui peuvent émerger, hein, et comme Yolande d'Aragon, comme Jeanne la Pucelle, on a beaucoup parlé, encore, et comme Christine de Pisan, qui est une première femme qui vit de sa plume entièrement, hein, et il faudra attendre George Sand après, hein. Puis même Hildegard von Bingen au XIIe siècle, qui est la seule compositrice féminine qui a été très prolifique en matière de composition musicale. Bon, voilà. Donc on est dans une période bien fermée, avec un début, une fin, où la femme a un statut qui n'est pas celui de l'homme. L'Ukraine, on oublie. Oui, alors on va parler de l'Ukraine. Bon. Un petit mot quand même, un petit mot sur l'Ukraine, parce que... Voilà, non, mais j'introduisais. Alors, voilà, on ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine, parce que, évidemment, il se passe là-bas des choses extrêmement graves et dramatiques, où les États-Unis d'Amérique veulent absolument faire la guerre à la Russie au travers des événements d'Ukraine, et ils poussent, évidemment, ils essayent de pousser la Russie à la faute, et de manière à trouver un prétexte à faire la guerre. Ceci étant dit, pour les Russes, les choses devraient être entendues. Le prétexte, ils le trouveront de toute façon. Bah, l'avion de la Malaisie, c'était quand même... Il y avait l'avion de la Malaisie, la Crimée, n'importe quoi. Et que maintenant, on se trouve face quand même à un problème entre la Novorossiya et la Russie. Bon.
Au départ, je ne sais pas ce que voulaient faire les gens, les insurgés, certainement faire quelque chose comme ce qui s'est passé en Crimée, c'est-à-dire se rattacher à la Russie. Maintenant, il ne s'agit absolument plus pour le Donbass, pour la Novorossiya, de vouloir se rattacher à la Fédération de Russie. Hein. Aujourd'hui, l'objectif est de... Déjà, d'ailleurs, il est fait, mais l'objectif est d'étendre dans toute la partie sud-est de l'ex-Ukraine l'Union des républiques populaires de Novorossiya, puisque c'est le terme exact. Union des républiques populaires de Novorossiya. Ça fait un peu Et que... URSS, c'est Hein? vraiment. Ça fait un peu URSS. Ça fait un peu URSS. Alors, justement... Ce qui est intéressant dans cette Union des républiques populaires de Novorossiya, c'est que il y a un nouveau concept. Et c'est pour ça que nous, ici, à Meta TV, ça nous intéresse particulièrement. Alors, on arbore le ruban de Saint-Georges, hein, qui est le symbole d'ailleurs de la lutte contre le nazisme. Et ce syncrétisme est symbolisé dans le drapeau de Novorossiya. Hein, le drapeau de Novorossiya, c'est un drapeau rouge. Drapeau rouge qui est explicitement le drapeau des travailleurs, celui de la Commune de Paris, hein, et qui est frappé d'une croix de Saint-André bleue et la croix de Saint-André. Saint-André, c'est le créateur de l'église de Constantinople, hein, c'est un des apôtres. Un des 12 apôtres, Saint-André, et la croix, comme ça, hein, qui rappelle son supplice, il était lui sur une croix qui est comme ça. Et donc, l'église de Constantinople, fondée par Saint-André, a évangélisé la Russie, d'abord le duché de Kiev, hein, puisque Kiev c'est l'origine de la Rousse, et puis de Novgorod ensuite. Bon. Donc, la Novorossiya se veut un syncrétisme entre non pas le socialisme tel que c'était avant, il ne veut pas reconstituer le socialisme à la soviétique, mais au moins éliminer les oligarques. Ça, c'est leur objectif. Numéro un, explicite, bien expliqué. Hein. On a eu une conférence de presse où vous êtes venu, où il y avait Pavel Goubarev, qui est un des leaders de la Novorossiya, qui expliquait que la première chose à faire, c'est de virer les oligarques, et ces fameux oligarques qui sévissent dans l'ancien monde soviétique, c'est-à-dire ces oligarques, ce sont des anciens apparatchiks, hein, plus ou moins communiste, enfin il était là par opportuniste, hein, qui à l'autodestruction de l'URSS, il faut bien voir que l'URSS s'est autodétruite, ce sont des gens comme Gorbatchev et des gens comme Yeltsin, tous les caciques de l'ex-PCUS, qui ont eux-mêmes dissous l'URSS, qui se sont emparés des richesses et de ce pays extrêmement riche, quoi, hein. Des richesses, des industries, ils se sont emparés et ils sont devenus des oligarques. Donc ils se sont bâtis des fortunes considérables. Et pendant que, après l'URSS, pendant que les uns se bâtissaient des fortunes fantasmagoriques, les pays de l'ex-URSS sombraient complètement, hein, avec des taux de mortalité importantes, enfin il n'y avait plus de pensions qui étaient filées aux vieux, un chômage énorme, enfin tout ça a été absolument catastrophique. Et donc on voit que quand Poutine a réussi à prendre le pouvoir en Russie, il a un peu régulé les choses et un peu mettre au pas les oligarques. Il en a mis en tôle. Hein, on a vu Khodorkovsky, le Yukos, il voulait refiler Yukos au Carlyle là. Group, qui est Carlyle un groupe Group, de la CIA. Et là, bon, clac, ils ont attrapé par la peau des fesses, là en tôle. Tu vois, bon, il a pu, in extremis, Poutine, sauver le pays de la catastrophe et le redresser. Ce qu'il a fait, il a redressé le pays
d'une façon assez spectaculaire, et sans éliminer évidemment l'ensemble des oligarques, hein, il est simplement serré. Dans l'autre, dans le deuxième plus grand pays de l'ex-URSS qui s'appelle l'Ukraine, eux, les oligarques, par contre, alors ils avaient la bride sur le cou, hein, et puis ils ont mis le pays en coupe réglée, ils ont pillé complètement le pays, se sont partagés les choses, hein, c'est-à-dire par oligarques et gangsters, hein, parce que Kolomovski, il a le Lucreno israélo je sais pas quoi, qui vit en Suisse, lui c'est un coup de flingue, hein, qu'il a bâti sa fortune. Donc c'est moitié gangster, moitié oligarque, et ces gens-là, et le résultat est que l'Ukraine est de tous les pays de l'ex-URSS le plus pauvre. C'est celui où les salaires sont les plus bas, ils sont plus bas qu'en Chine. Alors que c'était... L'Ukraine, c'était la partie la plus riche de l'URSS. Ouais, c'est ça, c'est non seulement c'était la partie la plus industrielle. Les deux, voilà. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a les grands champs de blé. Alors à l'ouest, il y a les grands champs de blé, et à l'est, il y avait toute l'industrie aérospatiale et militaire, où on a fabriqué la navette Buran, où on a fait la fusée Energia, et tout un ensemble. Moi, j'ai été à Kharkov pas mal de fois, dans le programme conversion pour un petit peu évaluer le complexe militaro-industriel soviétique. Et puis j'ai vu à quel point en technologie ils étaient en avance. Bon, donc ici, ces oligarques, évidemment, c'est le poison absolu de ces ex-pays socialistes. C'est le poison absolu. Et en Novorossiya, ils ont dit, nous, on ne veut plus de ces gens-là. On ne veut plus de ces gens-là. On ne veut pas faire partie de l'Union européenne. On ne veut pas faire partie de l'OTAN. On ne veut pas de vos idéologies à la con. Nous, on veut garder à la fois nos communistes et à la fois nos églises. On veut être à la fois rouge et à la fois orthodoxe. Et que nous, on est bien comme ça. Hein, on est bien comme ça. Et on veut pas que vous nous emmerdiez avec vos conneries là-bas, vous les gardez pour vous, vos Pussy Riot, vos machins, vos Gay Pride et tout ça. Nous, on ne veut pas entendre parler de ça. Voilà. Donc, eux, ils disent, voilà, nous, dans notre vision des choses, eh bien, on ne veut pas non plus faire partie de la Fédération de Russie. Ouais. D'ailleurs, Dicus, il dit quelque chose, je trouve très intelligent, il dit, c'est bon pour l'Allemagne des salaires chinois en Ukraine. Comment ? Il dit c'est bon pour l'Allemagne des salaires chinois en Ukraine. Ah oui ? Oui, c'est Dicus qui dit ça. Je trouve qu'il a parfaitement raison, parce que l'Allemagne, elle a tout intérêt à faire basculer l'Ukraine de son côté pour servir, pour faire mettre ses industries. On va faire travailler justement ces Ukrainiens pour fabriquer des bagnoles et tout ce qui est fabriqué en Allemagne à moindre coût. Quelque part, c'est bien pour l'Allemagne, quoi, cette affaire. Bah oui. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est clair. C'est clair, c'est que personne ne veut sortir ce pays de l'ornière. Et justement, la Novorossiya est intéressant pour nous, parce que c'est une expérience nouvelle, qui est basée sur deux autres expériences dont ils vont faire le syncrétisme. Hein. Une expérience malheureuse de l'URSS, dont on va prendre les côtés positifs, tu vois, hein, et puis l'expérience de la tradition. Ici, on a beaucoup parlé souvent que finalement on ne pouvait pas sortir un pays de ses fondements historiques, et que pour eux, la Russie de Pierre le Grand, celle de la Grande Catherine, ce sont des traditions, et aussi la Russie de Lénine, la Russie de Staline, pour eux, c'est des choses qui sont à prendre en compte, et donc pour eux, la grande référence historique, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, hein, dont le symbole est le ruban de Saint-Georges, et cette grande guerre patriotique que les Russes ont menée contre le nazisme, eh bien, l'autre partie de l'Ukraine a la référence historique inverse.
Hein? Donc on voit deux parties de l'ex-Ukraine qui ont des références historiques complètement inverses. Et on voit que les uns mettent en avant les symboles nazis, la Zaziska, les autres mettent en avant les drapeaux rouges, la faucille et le marteau, mais également la croix de Saint-André, même également Saint-Georges et la religion, les icônes, la religion orthodoxe, etc. Voilà un petit peu ce que représente la Novorossiya et ce qui est extrêmement intéressant pour nous Français et ce qui a motivé d'ailleurs que des jeunes Français aillent combattre là-bas. Hein, et que, bon, et ces jeunes, je les connais, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé mon avis avant de partir. Moi, j'ai été surpris parce qu'ils ne viennent pas d'un milieu idéologique similaire au mien, mais ils m'ont expliqué qu'ils étaient anti-impérialistes et qu'ils étaient pour la Jamaïria libyenne et pour la Syrie et contre l'impérialisme états-unien partout dans le monde, pour les Gazaouis, etc. Donc, moi, je dis, non, votre vision des choses est parfaitement claire et que vous avez bien le droit de même vouloir vous sacrifier, parce qu'à l'époque, les pertes étaient importantes, donc j'ai trouvé que leur démarche était particulièrement intéressante. Bon, maintenant, il y a quand même un petit problème, c'est que... Alors voilà, parce qu'il y a un fait quand même, que beaucoup de gens justement ne savent pas sur la situation, on en parlait tout à l'heure, il faut quand même l'expliquer, les troupes, on va dire, de Novorossiya ont avancé, ont libéré un certain nombre de villes, et ont causé des pertes apparemment vraiment assez énormes, monumentales, donc aux troupes de Kiev. Hein. Ouais. Et les troupes de Kiev, j'ai presque envie de dire moribondes, au dernier moment, in extremis, on apprend qu'il y a un couvre-feu, enfin un cessez-le-feu qui est instauré, alors même que les troupes, de Novorossiya auraient pu, on va dire, continuer leur conquête jusqu'à Kiev et faire casser ce pouvoir définitivement. Et là, on s'étonne, parce qu'on se dit que, forcément, ça vient de Poutine, cet ordre. Et donc, quel est l'intérêt de Poutine de stopper l'avancée de Novorossiya, alors même qu'on pouvait peut-être arriver à une solution qui était, en plus, lui, qui tombait vainqueur. Hein. Donc, là, moi, j'ai l'impression que ça donne raison beaucoup à Pierre Hillard, qui met beaucoup de réserves sur l'attitude de Poutine, et qui dit que Poutine joue un jeu assez ambivalent, assez équivoque, bon. Et finalement... Je commence à me demander si c'est pas Hillard qui a raison. Alors on va pas se faire de l'anti... Non, je fais pas de l'anti-Poutine, hein, mais je dis non, que Hillard nous met en garde et il a pas tort. T'as raison de poser... Alors il y a un certain nombre, effectivement, de questions. Moi je suis Novorossien, hein, c'est ma nationalité, puisque je représente la Novorossiya en France, officiellement, j'ai une lettre patente. Hein. Et évidemment, je me mets vraiment à leur place, et... les forces armées de Novorossiya, hein, les FAN, les commandeurs, les commandants sont extrêmement mécontents de cette trêve. Bon, alors comment que ça s'est passé? Il y a eu les forces de Kiev ont mis le paquet militaire hein, contre eux. Hein. Donc, il y a un moment où Strelkov, qui commandait tout ça, a été obligé de reculer, d'abandonner Slaviansk et Kramatorsk, et puis de se faire une forteresse autour de Donetsk et de Lugansk. Le 24 août, il y avait les fêtes de... Je ne dis pas d'indépendance, mais de la dépendance de l'Ukraine. Hein, et que le port au Choco, il avait donné l'ordre en disant le 24 août, vous m'ayez nettoyé tout ça. Donc, les Ukrainios, ils ont mis le paquet, ils ont mis tout ce qu'ils avaient et ils sont partis au combat avec des forces disparates. Hein, l'armée régulière, la garde nationale avec des ramassis de je ne sais pas quoi, le régiment de Dniepr de Kolomoski, c'est-à-dire ses Pravi Sector, c'est lui qui les paye. Hein, donc ils ont enfilé aux nerfs vides d'extrême droite, ils ont enfilé des armes. Et puis l'autre, c'est le bataillon Azov de l'autre partie.
qui est l'ancien parti national socialiste ukrainien qu'ils appellent, je sais pourquoi, je ne sais plus comment ils appellent maintenant, mais enfin, c'est l'autre parti des néo-nazis. Svoboda, c'est pas ça? Svoboda, voilà. Et donc, ils sont partis comme ça, chacun avec son commandement, et avec des chefs militaires qui n'avaient jamais fait la guerre et qui ne savaient pas comment la faire. Bon. Et donc, ils ont usé le donc ils se sont mis dans un réduit et ils ont usé des forces contre des défenses inexpugnables. Strelkov, qui a lu Djoukov, hein, bien que Strelkov, ce soit un monarchiste, son maître à penser militaire, c'est Djoukov, c'est la bataille de Stalingrad et de Saillant-de-Kursk. Hein. Lui, il connaît bien toutes ces manœuvres de l'encercleur encerclé. Tu vois? Donc, ce qui est marrant, parce qu'on a vu avec mon ami Svetlana Kisilieva, à chaque fois on suivait ça, puis on se disait, tiens, quand Strelkov il est pas content, c'est que c'est bien, quoi. Parce que, en fait, il a laissé des points faibles dans ses défenses. Il a laissé des boyaux, tu vois? Hein? Donc on dit, ah ouais, mais là, les Cosaques, ils sont enfuis. Mais les Cosaques, ils sont enfuis. Ils ont laissé un truc étroit. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils faisaient le tour des défenses, ils ne rentraient pas. Ils sont rentrés dans un boyau. Mais comme c'est des nazes du point de vue militaire, eux, ils n'ont pas lu la Deuxième Guerre mondiale et c'est pas leur truc, tu vois. Tu vois? Hein? Alors, on sait que une armée moderne, une armée moderne, on va dire les deux tiers ou les trois quarts des hommes sont dans l'approvisionnement. Surtout une armée mécanisée, qui dépense beaucoup de munitions et de carburant. Donc tu as les forces de choc, hein, de choc, et puis notamment les forces de choc doivent avoir un flanc droit, un flanc gauche, parce que dans toute percée, tu risques, justement, tu risques sur les flancs, tu risques de te faire couper. Parce que maintenant, on sait très bien que tu as ton bataillon de choc, et derrière, sans arrêt, il faut ramener du carburant et des munitions et de quoi becquer. Sans arrêt, sans arrêt. Tu vois? Donc une armée qui est coupée de ses arrières, elle est foutue. Elle se retrouve avec plus rien. Plus de carburant, plus de munitions, plus rien. Voilà. Elle se retrouve dans ce que eux, ils appellent des chaudrons. Donc, ces idiots, ils sont tombés une fois dans un chaudron. Je veux dire, tiens, quand même. Bon, ils n'ont pas fait gaffe, ils sont rentrés, ils n'avaient pas de flanc. Hein? Ils ne savent pas ce que c'est qu'un système, je ne sais pas. Ils n'ont pas lu les traités militaires, même les plus simples. Ils sont rentrés dans les chaudrons. Et dans les chaudrons, ben, pouf, coupé derrière, quoi, c'est facile, hein? Puf, alors donc, plus rien. Et puis, il est bombardé à coups d'orgue de Staline, hein, de lance-roquettes multiples. Et puis, au bout d'un moment, ils leur disent, bah, écoutez, vous avez le choix, soit les militaires de l'armée régulière, vous partez, on vous laisse partir, vous gardez quelques véhicules, et vous laissez le gros des véhicules sur place. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils faisaient en général. Alors, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont laissé les véhicules, et petit à petit, eux, ils se sont fait une collection de blindés. Hein? Puis il y en a beaucoup qui se sont fait exploser des blindés. Alors, ces abrutis du Krenios, ils ont fait ça une fois, le chaudron numéro 1, mais il y en a eu 2, 3, 4, 5, plusieurs. Ils sont rentrés plusieurs fois dans des chaudrons, dans des pièges tendus comme ça. Ce qui fait que l'armée de Novorossiya a grossi en blindés. D'ailleurs, ils ont un gros problème parce qu'ils n'ont pas, pour les chars, il leur manque des équipages. Et ils se sont retrouvés avec des lance-roquettes multiples, avec les munitions, D'accord, etc. les dernières Voilà. armes. Voilà. Et que, au bout d'un moment, en multipliant ce jeu-là, hein, de cours en août, et courant septembre, ben, ils se sont trouvés qu'ils ont perdu 60% de leurs blindés. Et plusieurs milliers d'hommes. Donc, ils ont essayé de mobiliser une fois, ils ont mobilisé deux fois, la troisième fois, il n'y a plus personne, et puis maintenant, les gens, ils veulent plus aller au casse-pipe parce que c'est extrêmement dangereux. Donc,
À un moment donné, tout leur dispositif s'est écroulé, parce que on voit bien quand une armée, vous avez deux armées, elles se confrontent. Puis pouf, tout d'un coup, plaf, il y en a une qui peut plus. C'est le cas de toutes les batailles. Quand on étudie les batailles, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. Ouais. Il y a une armée qui collapse complètement. Et eux, ils étaient, l'armée qui vient, hein, s'est effondrée. Alors eux, ils ont foncé vers le sud. Hein, ils sont arrivés sur la mer d'Azov, ils ont encerclé Mariupol, ils étaient déjà, ils avaient, leurs avant-gardes étaient dans l'oblast d'à côté, tu vois, dans l'oblast de Kolomoïski. Et donc, l'armée qui vienne était, ne pouvait plus faire face, quoi. Et c'est là qu'il y a eu ces fameux accords de Minsk qui ont leur dit, alors, vous arrêtez tout, les mecs, voilà. Ils ont arrêté tout, alors ils ont tout arrêté, puis le lendemain, ils ont eu une colonne de ravitaillement russe, quoi. D'accord. Alors c'était un peu la récompense, quoi. Alors, il faut dire que les commandants de Novorossiya sont furieux. Alors bon, ils gueulent pas contre la Fédération de Russie ouvertement, parce que... Finalement, ils soutiennent, mais quand même, pour eux, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose dans cette affaire qui est bizarre. Voilà. Alors je me souviens, les journalistes, quand ils fonçaient, il y avait les journalistes qui disaient, mais vous voulez faire la jonction avec la Crimée, et le commandant qui commandait l'armée du Sud a dit, non, on va à Odessa. On va à Odessa. D'accord. Là, on est parti. Et il dit, dans 2-3 jours, on est à Odessa, tu parles. Alors là, ils ont été obligés de reculer pour se remettre sur des positions préparées à l'avance. Voilà, donc on va faire à suivre, en tout cas, parce qu'on a vu aussi Brzezinski qu'on appelle à s'unir contre la Russie. Enfin bon, on est dans une cocotte minute. Voilà. Alors, maintenant, les Russes disent oui, mais d'ailleurs, il fallait arrêter parce que sinon, on partait dans un conflit avec les États-Unis, etc. Mais on dit, de toute façon, le conflit, il est là, quoi. Ouais. Quoi que la Russie fasse, le conflit, il est là. Et donc, c'est juste une question, justement, avant qu'on passe à l'autre sujet. Non, mais on me demande si tu as des nouvelles des combattants français, justement. C'est vrai j'ai pas mal de contacts avec eux, puisque vous savez que on devrait pas le dire, mais les flics, de toute façon, comme ils savent tout, donc ils sont passés par moi au départ. Donc c'est un peu mes petits-enfants, hein, c'est un peu mes fils, hein, les combattants français. D'ailleurs, ils passent tous par moi quand ils partent là-bas. Et d'abord, ils vont très très bien. Hein, donc ils font plutôt, alors comme, d'abord, ils ont fait une brigade franco-serbe. Hein. Ah, d'accord, ouais. Ouais, alors, parce que leur organisation, qui s'appelle Unité Continentale, a été faite à Belgrade, hein, les franco-serbes. Elle est eurasiste et se réfère à Douguine. Voilà. Ça va plaire à BHS. Bon. Et... donc ils sont arrivés les premiers un peu difficilement parce que ils ont été arrêtés par le FSB à la frontière. Donc, bon, et qu'ils ont enlevé leur visa. Donc on peut dire la cinquième colonne, elle est bien active, hein, quand même. Hein. Ouais. Et donc ils ont été obligés de prendre des risques et de passer par Kiev. Ils sont passés par l'Ukraine, ils sont arrivés là-bas, et puis ils sont tombés sur le bataillon Vostok, qui les a pris en charge. Et donc ils ont commencé, hein, à s'acclimater, et bon, il y a des problèmes de langue, mais comme la plupart c'est des gens qui ont une expérience militaire, ils servent plutôt de formateurs. Ouais. Hein, ils servent de formateurs. Donc maintenant, ils ont créé une véritable brigade. Hein, ils sont une vingtaine, hein, de Français et de Serbes. Ils ont été affectés à un autre bataillon
Et bon, là, pour l'instant, donc, bah, il appuie la guerre, il patrouille, il forme les gens, il forme les gens aux techniques de combat de l'armée française, qui sont des techniques très, très élaborées. Très élaborées, hein. C'est parce que les Russes ont un peu tendance à prendre des risques dans les combats. C'est beaucoup des mineurs, des métallurgistes, des gens comme ça, très déterminés. Donc ils leur apprennent les techniques de combat, voilà. Donc ils sont parfaitement intégrés. Je voulais aussi, vis-à-vis d'eux, rajouter un mot, c'est qu'on les a traités de fachos un peu partout, alors que là-bas, ils sont très bien avec les communistes, puisqu'il y a des nationalistes et des communistes, et ils s'entendent très bien avec tout le monde, et eux, ils ont bien compris le syncrétisme qu'il y avait là-bas. Ils l'ont parfaitement intégré. Et que les dissensions, les problèmes politiques en France n'ont rien à voir avec ce qu'il y a là-bas. Hein, j'ai vu sur un site communiste l'autre jour qui soutenait la Novorossiya, mais qui crachait à mort sur ces gens-là. Quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi en les traitant de nazis ou de je sais pas quoi. Ça n'existe plus, ça, ce genre de conneries. Les gens, ils n'ont rien compris. Quoi. Aujourd'hui, les nationalistes, tous ceux qui veulent combattre l'impérialisme, doivent s'unir. On s'en fout d'idéologie qu'il y a, ou la pseudo-idéologie okay. qu'il y avait. Bon, ben, on va passer au sujet, parce que l'heure avance. Hein, ouais, on avait dit... Eh ben, on est dans les temps. Voilà. Alors, on va commencer donc, bon. Par poser les choses. Alors. Là, on va parler de la femme. Voilà. Tiens, c'est sympa, hein, on n'a pas de femme. Mais bon. Et alors, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une période historique où le rôle de la femme a été inconnu, hein, une embellie, et après est retombé. Le rôle de la femme dans la société, comme j'ai montré la couverture d'historien qui pousse un petit peu, hein, le Moyen-Âge libère la femme. Bon, après avoir dit le Moyen-Âge, c'est une période très sombre. Et donc, on va commencer par... voir pourquoi il y a dans l'histoire des périodes où il y a des différences sexuelles marquées, c'est des périodes matriarcales, des périodes patriarcales, et des périodes où les femmes peuvent jouer un rôle dans la société, ou des périodes où elles n'en jouent pas du tout. Mmh. Ça, c'était le cas de l'Occident pendant très longtemps, depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, où la femme était entièrement soumise à l'homme. Donc, on va rappeler un peu l'épisode précédent. Hein, Je mets la carte. Voilà, avec cette carte. Voilà. Hein, alors, tu vois la carte derrière nous. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Ah bah si, on la voit, regarde. C'est bien parce que ça nous ramène à l'Ukraine, parce que, rappelle-toi, on avait vu que pour le continent eurasiatique, il y avait deux grandes civilisations. Hein, voilà. Une civilisation à l'est du Dniepr, qui est une civilisation de pasteurs. Hein, donc on voit bien cette région, c'est qu'une plaine herbeuse. Mmh. Hein, donc qui était propice à la chasse, puis à l'élevage, et on voit que dans les populations primitives de chasseurs-cueilleurs, c'est les hommes qui chassaient et les femmes qui cueillaient, et donc ce sont les hommes qui ont domestiqué les animaux, et puis les femmes qui ont fait l'agriculture. Et donc, on trouve évidemment d'un côté des divinités mâles, des sociétés mâles, et de l'autre des sociétés femelle. Donc, on voit, et donc c'est curieux parce que c'est comme aujourd'hui, c'est le Dniepr qui fait la frontière. Hein, c'est une petite curiosité. On voit que d'un côté il y a Novorossiya et de l'autre côté les nazillons ukrainiens. Bon, c'est comme ça. Il n'y a aucun rapport, mais bon, il faut dire que quand même ce Dniepr, il représente une frontière naturelle. Donc, on va voir que la première représentation humaine,
hein, dans l'histoire de l'homme, et une représentation féminine, hein, environ 35 000 ans avant Jésus-Christ. C'est en France, hein, cette petite statuette, on peut la voir au musée de Saint-Germain-en-Laye. Elle a été trouvée dans le sud-ouest, dans ce qu'on appelle l'espace franco-cantabrique, où il y a l'essentiel des vestiges du paléolithique. Hein, paléolithique, la pierre taillée, et on voit déjà qu'au paléolithique, donc les chasseurs, les cueilleurs, mais quand même les femmes sont les seules qui sont représentées, et ça va durer de moins 35 000 ans à peu près moins 3 000 ans, c'est-à-dire pendant presque 30 000 ans. Les seules représentations humaines sont des femmes. D'accord. C'est bon. Donc, ce qui montre quand même que les femmes jouent un rôle essentiel dans la société, donc sont certainement des déifiées. Alors là, on va montrer, par exemple ici, hein, ça c'est à peu près à la même époque, du paléolithique, hein, on voit cette vision d'une femme qui est extrêmement stylisée, dont les attributs sexuels sont hypertrophiés. Et donc, on peut comprendre que ce qui est représenté là, c'est la fertilité, hein, chez la femme, puisque la femme fait des enfants. Et on peut comprendre que pour la tribu, avoir une fertilité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, là, c'est encore à la même époque. Hein. Donc, on voit une femme... là, tu peux me mettre celle-là aussi. Oui, bien sûr. Hein, on a une femme, alors là, carrément obèse. Carrément obèse, hein. Tu vois, les canons de la beauté. Alors ça représentait les canons de la beauté féminine. Hein. Bah oui, voilà, donc... Ça va leur plaire, à certaines. Bah écoute, c'est... Ne complexez pas, mesdames. Alors, ensuite, quand on passe au néolithique, là, tu peux passer les autres statuettes. Hein, donc ça, c'est... Là, on a sauté 20 000 ans. Hein, mais... dans le néolithique des Balkans, hein, de la Roumanie, de la Bulgarie, eh bien, on a trouvé partout ce genre de statuettes qui ont moins 10 000, moins 6 000 ans, moins 4 000 ans. Donc, on voit toujours ce genre de déesse, et on ne voit jamais de représentation masculine. Jamais. Et là, c'est quoi ça? Alors, ce sont des statuettes qui ont été prélevées dans les différentes fouilles qu'on a fait dans les Balkans, en Bulgarie notamment, si tu veux, là où se trouvent beaucoup de civilisations du néolithique. Hein? Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'Europe ancienne. L'Europe ancienne. Là. Tu sais ce qu'on a retrouvé là? Des pyramides. Oh, ça va leur plaire, c'est où? Dis-moi où. Dans l'ancienne Yougoslavie. Ah, en Bosnie, oui, les pyramides de Bosnie. Ah bah oui, je connais. Bah, c'est tout ça, c'est cet endroit-là. Ah bah oui, voilà. On est au coin, nous, les pyramides de Bosnie, on connaît. Voilà, c'est de la même époque. Hein, voilà, tu peux montrer là des différentes... dans les différentes sociétés, voilà comment on avait une représentation de la femme, ces différents objets. Ça ressemble à des godes des fois. Hein? Comment? On aurait dit des godes des fois un peu. Non. Je rigole. Voilà, donc c'est très extrêmement stylisé. Hein, on voit les culottes de cheval, des grosses fesses. Voilà, peut-être que les grosses fesses elles devaient être extrêmement attrayants sexuellement. Hein. Hein. Voilà. Et puis, ici, on peut voir donc sur cette carte là, hein, l'extension de la civilisation indo-européenne, c'est-à-dire celle qui est partie de l'est du Dniepr, c'est-à-dire des.
des pâtres mâles, la civilisation patriarcale. Ouais, hein, ouais. La civilisation indo-européenne est fortement patriarcale. Et donc, elle s'est imposée un peu partout. Et donc, c'en est fini de ces déesses. Là, féminine. Il n'y a que, si tu veux, tu vas regarder le chapitre de la Grèce, hein, mmh. Voilà. Il n'y a que, si tu veux, dans la société minoienne ici, hein, c'est-à-dire ça c'est en Crète, où s'est développée une société matriarcale. Hein, tardivement, mais ils étaient très évolués apparemment. Oui, bah, beaucoup plus, parce que là on est à moins 1000, hein, donc voilà, donc la société crétoise est déjà beaucoup est très 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 évoluée. Donc ça c'est la déesse crétoise, voilà. Et ici on voit un vêtement crétois, donc c'est les femmes qui sont au pouvoir en Crète, hein. Voilà. Alors, pour les Achéens, voilà. Alors, par contre, eux, ils sont furieusement anti-féministes. Uh-huh. Et donc, là, on voit un des mythes importants de la Grèce antique, qui est Hercule qui tue une Amazone. Ouais. Où les Amazones sont représentées comme étant les ennemis absolus de la Grèce antique. D'accord. Hein? Donc là, c'est souvent des mouvements de balance. Hein? On passe d'un excès dans l'autre. Et donc, l'homme donc veut affermir son pouvoir. Il faut voir qu'ils ont exterminé, ils ont balayé la société minoienne. Hein? Et donc ils l'ont bâti leur société sur des mythes anti-féministes. Alors, est-ce que ces Amazones ont eu une réalité? Les historiens se posent encore des questions sur cette réalité des Amazones. On sait que dans ces fameuses steppes de l'est de l'Ukraine, hein, oui. On a retrouvé des sépultures, alors que la plupart des kourganes, tu vois, avec les tumulus, étaient des sépultures avec un guerrier, chef, donc on en a retrouvé quelques-unes avec une femme et avec des armes. Et donc, ces Amazones étaient réputées venir du nord de la mer Noire. Donc, là, quand il y a les Achéens en Grèce, à moins 1000, sur la mer Noire, sont les Scythes. Hein, hein, les Scythes qui faisaient des bijoux fabuleux. Et les Scythes combattaient avec leurs femmes, qui étaient à l'arrière, mais quand les Scythes, les guerriers étaient en mauvaise posture, les femmes combattaient. Donc, pour un Grec, voir une femme combattre, pour lui, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable et extraordinaire. Et donc, vraisemblablement que ça les a frappés de voir ces femmes combattantes. Alors, est-ce qu'il y a eu réellement des Amazones? Est-ce qu'il y a eu des armées féminines? Ou n'est-ce qu'un mythe qui a permis à affermir le pouvoir masculin? Ça, on ne peut pas le savoir. Ouais, on me dit macho de l'époque. Hein, les commentaires macho de l'époque, bah, évidemment, parce que la photo ne plairait pas à Caroline Forest. Hein, là, c'est un homme qui est en train de trancher. Ah ouais, oui, bah oui. Non, mais pour les Grecs, ça, c'est un grand mythe, hein, de la mythologie grecque. C'est extrêmement important. Hein, l'extermination des Amazones. Hein. Elle me dit que c'était autre chose que les fémènes, ces nanas. Voilà. Donc, nous nous retrouvons avec une société méditerranéenne qui est passée de matriarcale à extrêmement patriarcale, mmh. Et même pour les Romains, puisque César, dans la guerre des Gaules, il cite
parfois que des femmes celtes combattaient. Oui. Hein, il cite aussi ça. C'est-à-dire que dans la civilisation indo-européenne du Nord, puisque cette civilisation indo-européenne c'est divisée en deux parties, hein, celle du Nord autour de la Baltique, mmh. et celle du Sud autour de la mer Noire et qui est d'Ukraine et qui va descendre sur les Balkans, la civilisation indo-européenne du Nord laisse une place un peu plus importante à la femme que dans le Sud. Et là, il y a une différenciation Méditerranée-Nord où les femmes ont un peu plus de liberté qui se retrouvera dans la civilisation germanique ou chez les Germains. Dans les pays scandinaves. Voilà. Bien que c'est pas du tout matriarcal, hein. Les hommes ont encore le pouvoir, mais ils laissent quand même des femmes... marge de manœuvre aux femmes. Une certaine marge de manœuvre. Et donc, il y a des sociétés encore matriarcales. Toi, qui es d'origine gabonaise, enfin ta mère, il y a, tu sais qu'au Gabon, il y a des sociétés matriarcales. Ah, bah, complètement, bien sûr. Hein? Voilà. Et donc, il n'y a pas une obligation que la société soit de type patriarcal. Bon, il y a une différenciation, on ne va pas revenir là-dessus, parce que là, j'en aurais pour 107 ans, mais cette différenciation, c'est faite comme ça. Bon. Donc, On va revenir donc au Moyen-Âge, puisqu'on est centré, je ne peux pas faire une étude exhaustive de... Voilà, donc j'ai perdu... Voilà, alors... Donc, on sait que pendant... que l'histoire... Hein, l'histoire que l'on connaît ici, l'histoire de France, a été fabriquée de toutes pièces par comment il s'appelle l'auteur abruti de Michelet. Tu vois, et que l'essentiel de ce qu'on a appris aux enfants jusqu'à maintenant sur l'histoire a été fabriqué au 19e siècle. Hein, c'est une fabrication complète. C'est là qu'on a changé les textes et tout, on a adapté, quoi. Voilà. Donc c'était fait. Alors à une époque, si tu veux, la science historique est quelque chose d'extrêmement récent. Mmh. Ce qu'on peut aujourd'hui, on peut parler depuis, on va dire, 20-30 ans seulement. On peut parler de science historique. Alors qu'avant, la science historique n'existait pas. On prenait... des hagiographies qui avaient été écrites par des général par des prêtres, hein, et qui faisaient la géographie de tel roi, et que son boulot c'était être le laudateur du truc, quoi, hein. Et que pendant longtemps l'histoire consistait à réécrire ce que d'autres ont écrit. Hein, tu écris, puis machin, et puis de siècle en siècle, tu réécris à peu près la même histoire, sans esprit critique, sans se demander d'où viennent ces sources, mm-hmm. est-ce que les sources sont fiables, sans les croiser avec l'archéologie, et que, par exemple, donc on a construit des mythes, hein, notamment le mythe de Clovis, l'histoire de Clovis, a été écrit par Grégoire de Tours 30 ans après sa mort, et donc c'est la seule source qu'on ait. Bon, il faut faire confiance à Grégoire de Tours, qui avait tout intérêt à faire une hagiographie de Clovis, c'est ce qu'il a fait. À part lui, tu n'entends jamais parler de Clovis par ailleurs. Ça, c'est un exemple. On a parlé des mythes, de tout un ensemble de mythes de l'histoire, et on reparlera de Jeanne, la fameuse Jeanne d'Arc, qui s'appelait pas Jeanne d'Arc d'ailleurs, mais Jeanne la Pucelle, dans aucun texte on n'en a rien marqué Jeanne d'Arc, au 19e siècle, ça avait une connotation sexuelle d'appeler Pucelle, c'était pas bien, donc on l'a appelé Jeanne d'Arc au 19e siècle, et que sur cette fameuse Jeanne, il n'y a aucune source contemporaine à sa vie, hein, aucune.
Donc voilà, donc c'est donc les gens qui ont bâti des trucs là-dessus, des histoires qui sont plus ou moins crédibles, les unes que les autres. Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, donc, on pratique d'une manière différente. C'est pour ça qu'on a pu sortir ce truc sur le Moyen-Âge libère la femme aujourd'hui. Hein, alors qu'il y a 50 ans, on disait, bah non, la femme au Moyen-Âge, tu te rends compte, c'est le Moyen-Âge, on dit encore c'est le Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, on fait attention à l'ensemble des choses, on fait attention aux textes, aux sources, et pas seulement à l'histoire événementielle. On fait attention aux vêtements, aux pièces de monnaie, aux ceintures, à l'architecture, à tout un ensemble de choses qui donnent une atmosphère. Et moi, je me suis surtout intéressé aux virelais, aux chansons. Mmh. Bon. On va expliquer pourquoi. Donc, je reviendrai. Je peux boire un coup ? Ah bah vas-y. Bon, excusez-moi. Hein. Fais pas de pub en plus, c'est bien. Bon. Tu sais, on a discuté tout à l'heure, que là, quand j'ai bu, je prends la bière, je la bois, j'ai pas. Je le fais machinalement. C'est que la plupart des actions qu'on accomplit, on les accomplit machinalement, quasiment inconscientes. Mmh. Hein, quand on marche, je ne vais pas me dire, tiens, je vais mettre un pied là, puis un pied là. Mmh. Hein, je le fais inconsciemment. Pourtant, j'ai appris à marcher. Oui, tout à fait. Hein, si on ne m'avait pas appris à marcher, je ne marcherais pas. Donc, on m'a appris à marcher, mais je le fais d'une façon machinale. Je parle, là je parle, mais on m'a appris à parler. Hein, mais je le fais et je ne vais pas réfléchir deux secondes si je mets un O, un I, un E, machin. Donc je parle d'une façon machinale. Et ça, on peut regarder aujourd'hui, on sait qu'environ 80% des actions qu'on accomplit sont des actions machinales qui sont dictées par l'environnement, par la société. Donc on comprend aujourd'hui le poids social chez l'humain qui est absolument considérable. Hein. Mmh. L'homme est comme une fourmi. On ne peut pas l'isoler du groupe. Tu prends un homme, on l'a déjà dit ici, tu le mets à poil dans une forêt et puis il meurt. Mmh. Bien sûr. S'il ne peut pas aller au magasin, s'acheter un vêtement, des chaussures, un fusil pour chasser, tu vois. Et dans le magasin et la carte de crédit, ça fait partie aujourd'hui de l'extension du bras, quoi. C'est des outils. Mmh. Et qu'on a vu aussi dernièrement que l'homme ne peut pas être dissocié de ses outils. Tu vois, hein, on a vu que les homo habilis, ils avaient des choppers comme ça, puis d'autres. Donc quand tu trouves des hommes préhistoriques, tu les trouves avec un type d'outil bien particulier et on les caractérise comme ça. Hein. Les choppers, la pierre taillée, la pierre polie, l'âge du cuivre, l'âge du fer. Donc on caractérise les hommes par leurs outils. Et tout ça crée un environnement et qui fait que qui conditionne notre façon de penser et de voir les choses. Donc, moi j'ai étudié l'ethnométhodologie et j'ai une approche de l'histoire qu'on va dire un peu personnelle, oui et non, mais enfin, qui est une approche particulière qui est que si on connaît bien l'environnement. Mmh. Et si on dit l'environnement conditionne nos actions à 80%. Hein, donc, à ce moment-là, tu peux donner de la crédibilité à telle ou telle chose, si tu veux. Hein, tu peux te mettre à penser comme la personne de l'époque. Mmh. Hein. D'ailleurs, la science historique moderne s'apparente à un travail de flic.
C'est-à-dire que les flics et les historiens, c'est font à peu près le même métier, tu vois. Ils vont aller gratter, trouver des preuves, hein, trouver des preuves de des choses, et puis se mettre à la place de l'assassin, et puis hein, il y a les profilers qui essayent de se mettre, hein, voilà. Donc moi j'essaye d'être le profiler de l'histoire et essayer de comprendre les choses. Et c'est parti de cette fameuse Jeanne qui nous fascine, et puis notre ami comment il s'appelle, de Jacques Migné, c'est fascinant, hein, c'est grave. Quand même comment se fait-il que cette jeune femme avec une armure, elle était experte à la lance, c'est comment être expert à la lance, si tu veux, quand tu vois les heures d'entraînement qu'il faut pour manier une lance qui était l'arme la plus difficile à manier au Moyen-Âge. Hein. Hein. Alors, l'épée, tu la prends, bah, à l'époque il n'y avait pas trop d'escrime, tu tapais sur le mec, tu avais des muscles et tout ça. Elle est experte à la lance. Et donc, et quand même, elle a pu convaincre le Charles VII. Hein. Donc elle était crédible. Elle était crédible. Hein. Aujourd'hui, on voit mal une femme chef de guerre être crédible. Enfin, peut-être aujourd'hui encore, mais il y a peu de temps, c'était pas possible, quoi. Tu vois, hein, pendant la guerre de 14, une femme n'aurait pas pu être chef de guerre. Donc là, on se trouve dans un environnement où, bien que Jeanne ait eu des difficultés à s'imposer, on lui a quand même donné une armée. Ouais. C'est pas rien. Et donc elle était crédible. Et on voit que autour de Jeanne, il y avait des femmes aussi qui étaient très crédibles. Alors tu te rappelles qu'on a étudié les rois maudits avec Jeanne de Navarre, l'épouse de Philippe le Bel. Mmh. Hein. Donc elle avait ses apanages. Hein. Elle avait la Navarre, elle avait la Champagne, et puis Philippe le Bel s'en occupait pas du tout. Elle allait se défendre, elle mettait son armure, elle allait à la tête de ses armées, parce que à l'époque, quand tu avais, pendant la période féodale, quand tu avais l'attribution d'un domaine ou d'un apanage, d'un comté ou quelque chose comme ça, le chef était toujours à la tête de ses troupes, même le roi Philippe le Bel, ouais. il a combattu lui-même l'épée à la main. Donc pendant cette période féodale, si tu veux, l'aîné il héritait, mais quand il n'y avait pas de mal, la femme héritait, et la femme était seigneur, comme un seigneur mâle, elle avait la pleine souveraineté du droit seigneurial. Alors, je te coupe juste avant que justement qu'on passe à la prochaine. On va faire une petite pause. La régie, elle est prête. Eh bien, la régie est prête. C'est l'heure de la pause. Et on revient juste après. C'est l'heure de la pause. Voilà. Okay. Ça passe vite. À tout de suite. Voilà, donc de retour après la pause. On me dit, oh oui, il y a des... C'est des musiques à l'époque qui devaient boire beaucoup de vin. Je comprends, le vin devait couler à flot à l'époque, la musique était soporifique. Comment ? Les gens disaient que ce genre de musique, là, on a passé musique de l'époque, et ils disaient qu'ils devaient boire beaucoup de vin quand même à l'époque pour pouvoir écouter ce genre de musique. Alors bah écoute, chaque époque a ses modes. Voilà, moi j'aime bien les musiques de mon époque. Moi j'ai 69 ans, c'est pas celle qu'il y a maintenant. Et les musiques qu'on vous a passé entre le 13e et 15e siècle, il y a beaucoup de chants, des chants d'amour, hein, qui chantent l'amour de l'homme et de la femme, et puis la mélodie est effectivement c'est pas une mélodie rythmée, mais il y a des mélodies rythmées, je sais pas s'il en a passé, il y a les musiques de danse, et il y a les musiques d'amour, enfin comme maintenant, hein, Ouais, bah, il y a les slow, il y a machin, ouais. Voilà, c'est tout. Bon, donc, on va, avant de parler du fin amour et de voir comment la femme a pu
avoir un statut plus élevé, c'est-à-dire être parfois mis sur un piédestal au travers de la littérature et des chansons et au travers de la manière de la courtiser. Hein. Et donc, on va voir un petit peu, là, en, un petit break, on va voir comment elle est habillée, comment elle s'habille, ses dessous, comment elle accouche, comment elle a ses règles, comment elle se baigne, comment elle se farde et comment elle, elle existe, effectivement. En tant que femme, hein, parce qu'on verra d'ailleurs que dans la mode, hein, la mode change tout le temps. Il y a un moment, il y a une mode où l'homme et la femme sont quasiment habillés pareil. C'est une mode unisexe au XIIIe siècle. Les hommes et les femmes sont quasiment habillés pareil. Et puis, il y a des moments où ça diverge. Donc, là, dans jusqu'à une période assez récente, le vêtement féminin était toujours composé des mêmes pièces, même si les pièces avaient des allures différentes, mais c'est toujours les mêmes pièces. Donc déjà, la première pièce du vêtement féminin, d'ailleurs comme masculin, c'est la chemise ou la chince. Hein, la chance. La chance, on appelait ça la chance, parce que c'est la chance lisse, c'était fait. Bon. Alors dis-nous, c'est quelle époque ça? Alors, ça, ces formes de chemise, c'est à partir de l'époque féodale, on va dire 11-12e siècle, jusqu'à 16-17e siècle, hein, même après. C'est le sous-vêtement. Le sous-vêtement féminin par excellence. Ouais, sous-vêtement féminin par excellence, mais masculin. C'est-à-dire que les hommes portent également une chemise comme ça, mais plus courte, qui descend aux cuisses. D'accord. Hein, voilà. Voilà. Alors, les femmes portent donc c'est le vêtement qui est sur le corps, il est en lin. Ouais. Hein, il se lave beaucoup, donc il est assez, assez fin finalement avec les différents lavages. Et donc il est caractérisé par une forme en trapèze et avec des manches qui sont très, très serrées. Hein, voilà. Donc ça c'est le sous-vêtement. Dessous le sous-vêtement, il n'y a rien. Pendant très longtemps, les femmes ne porteront pas de culottes ou quelque chose qui ressemble à poil, quoi. Voilà, jusqu'au 19e siècle, hein, la femme est nue la femme est nue sa chemise. D'accord. Voilà. Donc on peut voir différentes images. Alors donc il y a des chemises de différentes fonctions. Hein. Là, ici, sur cette image-là, on voit que. Alors, on peut décrire, hein, chaque image. Donc ça, c'est un vêtement du 15e siècle. Hein. Donc c'est une femme qui n'est pas d'une. C'est l'image de la Vierge, mais la femme n'est pas d'une condition extrêmement importante. On voit que sur sa chemise, elle porte une cotte. Et que cette côte, parfois, les manches sont plus courtes et on voit toujours la chemise, hein, sous la côte. La côte, c'est la deuxième couche. Mmh. La côte, c'est comme une robe. D'accord. Donc elle passe une chemise, derrière une côte qui est une robe. Ici, par exemple, on voit cette côte qui se lasse sur le devant. Et là, on voit que cette dame qui allait a une chemise qui permet une chemise spéciale d'allaitement. Hein, pour voir que ça existait. Donc là, tu peux montrer donc là. Donc là aussi, on voit un vêtement féminin type paysanne. Donc cette femme s'habille et donc elle a sa chemise, hein, elle a sa cotte bleue. Hein, qui est ce qu'on peut appeler une robe, mais donc on voit que c'est une paysanne parce que chez les femmes riches et nobles, ça se faisait absolument pas de montrer la chemise sous la côte, c'était très très mal vu.
Et par contre, les paysannes, pour travailler, on pouvait être en bras de chemise. Ça s'appelle, c'est comme ça que... Ah, c'est pour ça que ça vient l'expression, voilà. Être en bras de chemise. Bras de chemise et on peut travailler. Donc là, elle est en train de lacer ses chausses, ce qu'on appelle des chausses. Hein, et chausses, c'est-à-dire ce sont des bas qui s'attachent en dessous du genou par une jartelle qui est en ruban. D'accord. Hein, donc on connaît l'histoire d'Édouard III avec la jartelle. Par contre, ces femmes qui se baladaient comme ça sans culotte, elles étaient à la merci des viols et des... Oui. Ah oui, ça, au XVe siècle, oui, c'est pour ça que l'histoire de Jeanne d'Arc, ça étonne beaucoup qu'une bergère puisse être pucelle. C'est des gens, ils disent, c'est pas possible. Hein? D'accord. Bon, parce qu'effectivement, au XVe siècle, on viole beaucoup les femmes. Au XIIIe siècle, pas du tout. Hein, c'était le siècle de Saint-Louis, alors c'était un siècle extrêmement rigoureux. Donc cette femme, c'est une paysanne, elle a sur la tête un linge en turban. Hein, et voilà, elle finit par s'apprêter. Donc qu'on soit une paysanne ou qu'on soit riche ou une noble ou une bourgeoise, on a cette chemise, tout le monde a cette chemise et cette cotte par-dessus. Là, sur les très riches heures du duc de Berry. Hein, là tu vois ici, on voit une paysanne, on voit aussi, là la même, hein, et elle a un peu relevé sa cotte et elle est en bras de chemise. Là derrière on voit des hommes qui sont carrément en chemise, oui, qui travaillent en chemise, qui peut se faire pour des paysans mais jamais pour des femmes, ça se fait pas. Donc la femme a son voile sur la tête. Et les hommes aussi sont n'ont rien sous la chemise. Non, les hommes ont. Ah si, les hommes ont des braies. Des braies, voilà, ce qu'on appelle des braies. Les braies, c'est comme nous portons un caleçon court, c'est exactement la même chose. Hein. C'est en lin, c'est strictement la même forme de moderne d'aujourd'hui. C'est pareil, hein, et avec une fente aussi pour... D'accord, c'était voilà, pratique en plus. C'est pratiquement la même chose qu'aujourd'hui, mais les femmes ne portent pas les braies. Et donc, il y a beaucoup de plaisanteries là-dessus. Hein. Là, on voit sur cette image-là, hein, on voit ici une femme qui porte les braies. Et c'est une illustration amusante qui signifie que la femme tient les rênes de la maison. Mais dans la réalité, la femme ne porte pas des braies. Hein. Alors, ah, c'est pour se moquer un peu. Voilà, c'est pour se moquer. Là, on voit une autre image ici. On voit la femme qui, avec sa quenouille, elle tape sur son mari. Et on voit, donc, elle a ses chausses hein, qui sont nouées ici. On voit son dessous. Et elle porte les braies, mais ça, c'est pour rigoler. Mais comment c'est qu'elle porte les braies, là? Je vois pas. Ben là, tu vois bien que à la main... D'accord. Ouais, ouais. Elle tient... nous, on interpréterait ça comme une culotte, mais en fait, non. En non, fait, non, non, non. Ça, c'est pour se moquer, parce que les femmes qui portent les braies sont pas des femmes. D'accord. Hein, elle tape son mari, là. Elle tape faire. Son mari et porte les braies. Et alors, là, tu as une autre image ici, c'est les seins. Ah, alors, ça va être érotique. Alors, il faut voir que le tu peux agrandir. Le soutien-gorge, c'est une invention du XXe siècle. Hein, avant le 20e siècle, il n'y avait pas de soutien-gorge. Je zoome sur ses seins, alors, en fait. Voilà. Zoom sur ses seins. Voilà. Mais, il y avait, si tu veux, dans les siècles, au 17e, au 18e siècle, donc les corsages permettaient de remonter la poitrine. Au Moyen-Âge, surtout au 13e siècle, les vêtements sont très... ne montrent pas le corps. Hein, ils sont très flous. Mmh. Voilà. Rectiligne, on va dire, hop, c'est comme ça. Mais ça change, hein. Au XIIe siècle, il y a des ceintures, on voit le corps, et à partir du mi-XIVe siècle, on verra à nouveau le corps de la femme sera mis en vue. Mais voilà, pendant tout le Moyen-Âge, les canons de la beauté féminine, c'est des petits seins. Ça ne se fait pas d'avoir des grosses poitrines. Et puis l'Église veille à ce que les femmes ne mettent pas leur poitrine en avant. Donc les femmes se bandent les seins. Ah ouais, ouais. Hein, donc, ouais. Mais si tu veux, c'est un bandage qui permet aussi de qui,
pour des femmes qui ont une forte poitrine et qui permet, on voit bien que cette toile qui est mise autour des seins permet de supporter les seins. C'est un peu l'ancêtre du soutien-gorge. C'est-à-dire, elle met ses pas sur les seins, c'est en dessous, c'est ça ? Voilà, c'est une toile qui est serrée au-dessus et qui est serrée en dessous, qui est bien, tu vois, et qui se met sur les seins. Et ça permet de soutenir les seins aussi. Cette toile-là, ça soutient les seins et ça permet un peu d'écraser la poitrine pour les femmes qui en ont trop. Mais pour les femmes qui n'en ont pas, bien elles mettent des choses à l'intérieur. D'accord. Pour quand même montrer qu'elles ont de la poitrine. Alors, il y a quand même en site des cas où des femmes ont créé sur certaines chemises des espèces de bonnets, tu vois, dans lesquels elles peuvent placer leur sein. Tu vois, chacun se bricole un petit peu en fonction de sa morphologie pour ranger ses seins. Mais le soutien-gorge, je veux dire que c'est le 20e siècle, hein, le soutien-gorge. Hein. Voilà cette pauvre femme. Alors là, tu vas voir ici, ça, on voit comment. Voilà. Alors c'est une image un peu paillarde, parce que ça vient du Décaméron de Boccace. Tu l'as lu, le Décaméron? Ah non. C'est l'histoire du prêtre qui dit au couple, au mari et à la femme, je vais vous fabriquer un âne. Alors s'il y a des enfants, je précise. Et donc, il faut pas. Et donc là, le prêtre dit, je vais mettre la queue à l'âne. Et oula. Donc il relève la femme et on voit que voilà comment il prend. Ah, c'est une femme. Ça, oui, oui. Ah, mais c'est pas très évident. À quatre pattes, c'est une femme. À quatre pattes, c'est une femme. Mais ça, c'est. On va faire plaisir à Caroline Fourest. C'est une illustration d'époque du Décaméron, hein. C'est de quelle époque ça pour bien. Ah oui, c'est du 14e siècle. 14e siècle. Ah, ils étaient chauds déjà. Hein. Ah bah absolument. Ah bah oui. Oh bah. Ah, c'est Décaméron, ce qui montre que bon, il n'a plus qu'à trousser la femme, quoi. C'était facile. Hein. Qu'est-ce que je vais montrer? Cette image, bon bah ça c'est un atelier de femmes où on fabrique des chemises, hein, donc c'est un vêtement extrêmement courant. Tout le monde a une chemise. Ah oui. Tout le monde, même les plus pauvres ont une chemise. Donc ça se fait essentiellement dans du lin et après dans du coton. Ah. D'accord. Voilà. Le coton qui vient d'Asie, c'est ça là-bas? Oui, il y a ça, c'est après les. Qui viendra de le lin et après le coton, parce que c'est plus facile apparemment, ça, le coton plus fin et bah le lin c'est le lin c'est épais, ouais, c'est épais, c'est un peu dur. Bon, ça gratte. Ça gratte un peu, mais c'est des linges qu'on lavait très 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 souvent. Donc là on voit donc monsieur et madame qui vont se coucher. Oula, alors monsieur et madame qui vont se coucher. Donc là, à l'époque. Oui, alors c'est monsieur et madame, parce qu'on aurait dit madame et madame là. Oui, mais bon. Il n'a pas de zigounette. Oui, il porte une petite. Comme on a dit tout à l'heure. Un cache-sexe. Des braies. Ah, des braies. Ah, ouais. Ce qu'on appelle des braies. Il faut dire que les canons de la beauté masculine et de la beauté féminine sont assez proches. Bah, c'est marrant, oui, parce que je t'ai dit, là, non, on aurait dit deux femmes. Hein. Je dis, décidément, c'est la soirée de Caroline. Il est habillé pareil. Donc, l'homme doit avoir, et montrer toujours, doit avoir la taille très mince. Ah, l'homme doit toujours avoir la taille très mince. La taille très mince, les épaules larges, mais la taille très mince. Mais d'ailleurs, il y a une coupe quand même féminine. Oui, mais bon, ça c'est le dessin et pas toujours très réaliste. Et donc, c'est un peu trans. Les femmes aussi sont toujours montrées très minces. Les canons de la beauté féminine sont assez proches de ceux d'aujourd'hui. Hein, les femmes sont très très minces avec des petits seins. Et donc au XIIIe siècle, les hommes portent des cheveux longs. C'est marrant, oui, c'est ça. Porter des cheveux longs, hein, donc voilà, donc
Hein, et ils étaient quasiment habillés pareil. Donc on les... Ils dormaient à poil en fait à l'époque. L'image d'après, oui. Le monsieur et madame dormaient tout nus, ce qui facilitait la fécondité. Ah, alors là, les gens se demandent la suite du dessin, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Bah écoute, là, à cette heure-là, on peut parler comme on veut. Là, c'est des images d'époque, hein. Images médiévales. Hein. On n'était pas si prudes que ça. Hein. Ouais, bah, c'est ça qu'on voit, qu'on observe. Ouais. Et puis là, voilà, la nuit, après, donc là on voit. Alors, la femme a une chemise qu'on ne voit qu'en Italie et en partie de l'Allemagne. Qu'on voit pas en France, c'est-à-dire une chemise qui se rapproche aux combinaisons de ce que nos mères portaient. D'accord. Combinaisons, hein, c'est-à-dire qu'elle a des bretelles aussi. Ça, c'est une variante. Hein, une variante de la chemise. Italienne. C'est certainement italien. Mmh. Ouais, dans des pays... Ils ont toujours eu bon goût, alors, pour les vêtements, les Italiens. Oui, qui des pays plus chauds, quoi. Hein. Ouais, parce que là on voit bien donc les deux et lui parce que lui il a déjà porté alors ça je sais quoi c'est. Bah, ils sont en train de se fringuer quoi, voilà, c'est le matin, ils se fringuent quoi. Okay. Hein, voilà, après tout, avoir hein. Fait leurs affaires. Après être dormi nu. D'ailleurs, il y a beaucoup d'iconographies de couples au lit et ils sont toujours nus. Hein, ouais. Alors on peut peut-être penser que Pépé et Mémé, après 20 ans de mariage, ils dorment en chemise. Mais. Bon, dormir en chemise, c'est aussi gratter sa chemise, quoi, tu vois, c'est... Voilà, donc on dort à poil. Ah, d'accord. J'ai perdu le fil. On me dit, fais péter les range-seins. Alors, on va regarder les bains. Ah, les bains. On regarde les bains. D'accord. Voilà. Alors, là, prends celle-là. Ouais. Donc, voilà, au Moyen-Âge, on est propre. Oui, contrairement à ce qu'on pouvait penser, parce qu'on a toujours cette image de crasseux, alors, qui prêtent jamais de bain. Eux-mêmes, il y avait ce truc qui disait au Moyen-Âge, carrément, c'était mal vu de prendre des bains. Alors, ah non, c'est pas au Moyen-Âge. C'est au XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, Louis XIV se vantait de s'être jamais baigné. Voilà, exactement. En fait, c'est beaucoup plus tard. Et donc, par contre, au Moyen-Âge, on se baigne. Alors, on se baigne chez soi dans des grands baquets de bois dans lesquels on a mis un linge, on se baigne le matin. Hein. Les femmes d'ailleurs enlèvent leur fard parce qu'elles mettent souvent des tas de pommades pour lisser la peau, pour enlever les boutons, pour etc. Donc elles ont des masques. Ah, des crèmes de beauté déjà. Des crèmes de beauté qui mettent la nuit. La nuit, hein, on voit qu'elle se regarde, la femme, hein, donc il faut qu'elle se lave. Et puis, alors évidemment, ça c'est des riches, hein, puisqu'il y a la musique, il y a la bouffe, etc. Ouais. Mais même chez les plus pauvres, il y a toujours un baquet, hein, et on met de l'eau chaude et on se baigne. Hein. Hein. Là, tu peux montrer l'image d'après. Voilà, donc c'est l'image d'après, on voit un couple aussi. Oui. Alors là, on voit le couple nu et on voit la servante qui ramène la baquette, le baquet, ils vont se lever. Te demander, en fait, est-ce que justement à l'époque, ils allaient avoir des mœurs assez libérées, on va dire, mais on a l'impression que... Ils se moquent des domestiques, tout ça, parce qu'on les voit se baigner devant les domestiques, on les voit faire leurs affaires devant les domestiques, ça veut dire qu'ils se foutent de leur regard, des domestiques, ça compte pas, quoi. Oui, mais la nudité n'est pas grave, quoi. Mais c'est pas tabou encore. C'est pas tabou. Et donc, dans les bains publics sont, jusqu'au 15e siècle, sont mixtes. Les gens, les hommes et les femmes se baignent en même temps. D'ailleurs, c'est des lieux de licence. J'ai montré ici, je ne sais pas si je peux les remontrer, mais je n'aurai pas le temps, des bains publics où les hommes et les femmes sont dans des grands baquets, sont nus, en train de festoyer, et tout autour, il y a des lits. Hein. Tu vois, donc, ils festoient, ils se baignent, et puis... Mais c'est toujours l'amour propre, hein. C'est pas l'amour dégueulasse, hein. Voilà, je les ai mises là. Voilà. Voilà, tu peux prendre cette image-là, je l'avais déjà montré. Hein. Ah oui, non. Là, tu vois là, les gens, ils sont tous à poil. Et ils sont ils baignent dans la flotte. Ah bah c'est une Et ils festoient. Ah, et puis il y a un couple dans un coin qui s'amuse.
C'était, ça fait un peu ambiance sonar, backroom quand même, hein, cette affaire. Ah bah ça, c'était les bains publics, quoi. Les bains c'est un peu les backrooms, hein, au Moyen-Âge, ils étaient... Tu vois, c'est bien parce qu'il y a des voyeurs quoi. Dans le four là-bas, hein. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont derrière une glace, on aurait dit, non, une glace sans pain. C'est bien, les femmes gardent leur coiffe, hein, quand même, parce que c'est pas du tout... C'est très malséant, on verra, que les femmes aient les cheveux libres. Oui, c'est marrant, oui, parce qu'elles sont toutes nues, mais avec un petit chapeau. C'est pas bien, parce que on verra que il faut pas montrer sa chevelure. Mais par contre, les deux, là, c'est quoi? C'est des prêtres pervers qui se sont perdus ou... Ah, je sais pas, ça vient d'une histoire. c'est tiré d'une histoire, hein, j'en sais rien. Hein. T'as l'autre image derrière aussi, hein, celle d'après aussi. Donc on voit, donc ils sont à poil, et puis il y a de la musique, et puis voilà, ils trempent dans un baquet. Donc c'est pour montrer qu'à cette époque-là, on était propre. Ouais, ouais, ouais. Les hommes et les femmes étaient propres. C'est pas comme après. Ah, tu vois, toujours, c'est tout le... C'était sympa les bains publics, dis donc. Hein. Réhabilitons les bains publics. Hein. Alors on va parler de l'accouchement. Ah. Important. On change ça. On change pas. La naissance. Voilà. Non, mais parce que là j'ai deux images d'accouchement. Donc on accouche. Les femmes accouchent de deux manières. Soit debout, hein, c'est quand même un peu terrible. Ouais, donc l'image d'un accouchement, la femme est debout et la sage-femme donc va prendre l'enfant par derrière sous la robe. Tu vois comment... Ouais, c'est bizarre comme façon de faire, non ? Alors sage-femme, c'est vraiment un métier qui est au registre des métiers. Hein. C'est un métier qui a un long apprentissage. Derrière, il y a une aide, hein, qui certainement apprend le métier. D'accord. Et qui est un métier très réglementé, quoi. Il n'y a pas n'importe quelle femme qui peut accoucher. C'est un vrai savoir-faire. Elle a l'air de souffrir quand même. Il n'y avait pas l'accouchement. Il n'y avait pas de péridurale, évidemment. Péridurale. Donc ça, c'est on accouche comme ça. J'espère que les femmes ne vont pas trop les effrayer. Ah bah ça avait l'air assez horrible. On accouche comme ça. Alors là. Là on accouche comme ça. Alors là, elle est assise. Là elle est assise. Là ouais. Le plus souvent on accouche assis avec une aide derrière. Et par contre, dans la photo d'en bas, c'est une césarienne. Donc ça, c'est. Les césariennes ne se font que sur les femmes mortes. C'est ce que j'allais dire, elle a l'air morte. Sur les femmes mortes. Il faut dire que l'accouchement est une jusqu'après la guerre de 14, hein, c'est même à la moitié du 19e siècle, l'accouchement est quelque chose de très très dangereux, il y a des fièvres perpérables, beaucoup de femmes meurent en couche. Beaucoup de femmes meurent en couche. Et au Moyen-Âge, c'est 30-40% des femmes qui meurent en couche. Donc, donc là, il y a tout le mythe d'Eros et de Thanatos. Hein, de l'amour et de la mort qui viennent du risque de l'enfantement issu de l'amour. Hein. C'est tout un mythe qui est socialement important que la mort est issue de l'amour. Eros et Thanatos. Ouais, c'est vraiment dû au risque important de l'accouchement. Alors, donc, on va voir maintenant la mode. Oui, la mode. Ah. Alors, donc on a vu que les femmes portent une chemise et une cotte. Cette cotte va changer d'allure au cours de différentes modes, et sur la côte, elle porte une surcôte. D'accord. Donc il y a toujours trois couches de vêtements, au moins. Hein, et sur la surcôte, une surcôte, et après il y a quand elle sort, il y a un manteau, appelle un mantel. C'est une cape qui est avec une capuche souvent pour sortir.
Hein, et dans les pays froids, il y a encore des pièces intermédiaires. Il peut y avoir un boléro, quelque chose comme ça. Hein, parce que les chauffages sont pas très importants, il fait froid. Et donc on multiplie, chez les femmes comme chez les hommes, les couches de vêtements. D'accord. Alors on n'a pas plus chaud pour autant. Voilà. Alors là aussi, donc pour l'intimité de la femme, ben, on va en terminer avec l'intimité. Pour les menstrues, pour les règles, donc les femmes portent ce qu'on appelle un drapeau, qui est le même terme que les couches de bébé. Et on sait comment sont les couches de bébé, ouais. Mais on n'a jamais vu, il n'y a aucune iconographie sur les drapeaux des femmes, donc on pense que c'est pareil, donc c'est une pièce de drap triangulaire qui s'attache sur le devant. Ouais, pour empêcher que ça coule avec les règles. Ça devait pas être jojo quand même, quand elles étaient en menstrues les femmes. Ah bah quand elles avaient leurs règles, elles mettaient ça. Sans vouloir être inélégant, mesdames, mais bon, quand même, sans culottes, elles mettaient ça. Ah mais, bah, vaut mieux mettre mais je vois que dans le trousseau de ma grand-mère, qui est née en 1890, il y avait encore ces pièces en triangle qui existaient encore. D'accord. Ouais. Donc, avant les serviettes hygiéniques, c'est après la guerre, c'est après 45. C'est après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, ma mère portait des serviettes hygiéniques, mais ma grand-mère non. Hein. Ouais. Donc les femmes portaient ces pièces de drap en triangle pendant leur règle. Voilà. Bon, vous savez tout sur la femme du passé. Donc là, si la chemise... Alors c'est laquelle faut l'image. Donc là, c'est la cote ou la robe qui est la surcote qui change avec la mode. Hein? Ouais. Quelle image je... Bon, bah là, on va par exemple, on va prendre celle-là, hein, parce que là, on parle du bliot. Alors, le bliot qui durera longtemps, c'est une cote dont les manches... Tu vois, c'est vase et plus, oui, c'est très plus design, on, ça sent plus on est noble et plus, ouais. Plus ça traîne par terre. Hein. Truc. Ah, plus on est ri... Donc ça, c'est un symbole de richesse en fait. D'accord. C'est un symbole de richesse et d'accord. Puis aussi la longueur de la robe, de la jupe, qu'on appelle la jupe. Hein. C'est parfois fait dans une seule pièce, mais dans le vêtement féminin, la partie basse s'appelle la jupe, la partie haute, le corsage. Hein. Il y a jupe, le corsage, les manches. Voilà. Alors, il y a des côtes qui sont ouvertes ici, hein, et qui permettent de ne pas enfiler les manches. Et ça, surtout pour les travailleuses. Et on noue les manches derrière et on est en bras de chemise. D'accord. Donc, on a une côte qui est... on a les manches libres. Les manches libres, ouais. Voilà. Ça existe. Mais ça, c'est pour les travailleuses, pas pour les femmes riches. Donc là on a quelques formes de bliot, tu vois là, hein, voilà un bliot. Donc là on est 12e siècle, hein. Hein, 12e siècle, ils ont ramené ça après la croisade, le terme de bliot. Donc au 12e siècle, ça vient d'Orient encore, beaucoup de choses viennent d'Orient, hein. Au 12e siècle, donc la femme est moulée encore, hein, au 13e siècle, il ne sera plus. Donc elle a sur la tête un voile et un... Hein, on voit un cercle. Ouais. Ça peut être une couronne de fleurs pour ça les jeunes femmes. Hein, pour une... Les cheveux sont souvent des tresses. Alors c'est des tresses qui pendent, mais après l'Église va beaucoup travailler sur la femme, hein, pour la masquer. Et donc on verra qu'au 15e siècle, donc on verra quasiment plus les cheveux. Quoi. Hein, les cheveux doivent plus se voir. Au 12e siècle, on les voit encore. Donc là, au 12e siècle, la femme a l'air encore d'une belle femme. Au 13e, elle va être complètement effacée voilà, là tu prends celle-là, là on voit la surcote. Hein, alors là on voit ce qu'est la surcote. La surcote est souvent sans manche. Ouais. Hein, tu vois, laisse des très larges échancrures sur le côté. D'accord. Et puis t'as les couches. Ça c'est la troisième couche.
À la troisième couche, d'accord. Et là, elle est couverte, là, en plus. Voilà. Ah, mais on verra la gorge que la seconde moitié du 15e siècle. Hein. 14e siècle, les femmes, on ne voit pas du tout. Elles sont complètement effacées. On verra. Alors sur la tête, ici, hein, donc les cheveux commencent à se mettre dans des filets. Ouais. Là, on voit un touret et avec une barbette et les cheveux qui sont enfermés dans un filet. Alors, on va revenir en arrière, on va prendre le codex. Alors, je suis une naissance. Voilà, codex Manessé. Prends le codex Manessé, qui est intéressant à plusieurs titres, parce que le codex Manessé, c'est un traité d'amour courtois allemand, Heidelberg, mm-hmm. hein, où il y a environ 200 images qui sont restées, et donc c'est une source d'iconographie extraordinaire. Hein. Si tu prends par exemple la vue 75, hein, donc là on voit le vêtement masculin et féminin, on voit comment l'homme et la femme sont habillés, et donc là on est fin du 13e siècle, et là ouais. Il n'y a plus de ceinture. Ouais. Hein, voilà. La femme, on ne voit pas les seins, la femme est... Hein, on voit... Alors là, il y a la mode du petit chien, elle est toujours avec son petit chien. Il y a la posture féminine aussi, hein, qui va être longtemps une posture avec le bassin en avant. Une posture comme ça. Plantureuse. Voilà. C'est comme ça qu'elle se présente. Et là, les hommes... Alors ça, c'est une jeune fille. Les hommes mettaient des robes, là. Oui, oui, les hommes étaient en robe, ils avaient pratiquement les mêmes, ils pouvaient s'échanger. Oh bah ça va faire plaisir à un adjet. Hein, c'est vraiment... Papa porte une robe. Et donc, là c'est une jeune, oui. Une jeune fille, qui est, donc elle est non mariée, puisque là, les cheveux libres. Ah, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà. Parce qu'elle a pas de... Elle avait laissé ses cheveux libres, d'accord. Voilà. Donc là, tu peux passer différentes images, on va pouvoir les commenter. Hein, donc là on va passer donc ce que c'est que le fil d'amour. Alors, fil d'amour. L'amour courtois, c'est une invention du 19e siècle. Hein, alors tu vas chercher fil d'amour, tu arrives sur amour courtois. L'amour courtois, c'est une grosse invention encore de ces connards qui ils ont inventé un truc et qui, en fait, quand tu vas fouiller tout ça. Ils disent l'amour courtois c'est de l'amour platonique, c'est pas vrai du tout. Le fil d'amour c'est le bel amour, on va dire, hein. Le bel amour, et ce sont des règles de comportement, mais ça veut pas dire que à la fin il n'y a pas le petit Jésus dans la crèche, ça c'est jamais. Jamais. Donc on va voir ce que toute l'histoire du rapport homme-femme et en fait du rapport sexuel. Est-ce qu'il y a un rapport sexuel? Pas du tout. Et comment, en fait, le fil d'amour, c'est la femme qui a réglé le comportement. C'est la femme qui dit, voilà, ton comportement vis-à-vis de moi doit être comme ça. D'accord. Et c'est écrit. Et les hommes se soumettent à ce type de comportement qui est un comportement qui courtise, hein, longuement, c'est-à-dire la femme est courtisée, elle est aimée, c'est-à-dire il y a toute une importance de l'approche amoureuse, mm-hmm. Toute une importance des préliminaires, quoi, tu vois. C'est pas tu prends la bonne femme et puis tu la trousses comme l'autre. Non. C'est des règles complexes mis en œuvre. On verra que dans le De Amor d'André Champlain, ça a été écrit par Aliénor d'Aquitaine et par sa fille. Donc ces règles-là, ce sont des règles féminines. D'accord. Hein? Donc c'est la caractéristique du fil d'amour. C'est l'amour vu par les femmes et non pas vu par les hommes.
Hein. Et donc, il y a cette fameuse couronne de fleurs, cette fameuse couronne d'amour, dans quoi le mec, il monte à l'échelle avec sa robe, ça doit pas être terrible. Hein. Hein, on va les prendre les unes après les autres, je vais les commenter. Hein. Alors, là, on reçoit des... Bon, là, on voit un mec, il a une épée, mais ah, c'est un mec, tu vois, l'image... Tu sais pas, parce que là, au XIIIe siècle, là, il y a vraiment une confusion, quoi. Ah bah vraiment, bah là, ouais. Hein, les hommes, les femmes, on les cheveux longs, ils sont habillés pareil. Les hommes sont, ont les, la taille très, très, très fine. Enfin, ils sont, au moins, ils sont représentés comme ça. Hein. Remarque qu'il a un petit peu de barbe, quand même, si on regarde bien. Voilà. Ouais, voilà, alors là, on voit... Sexy. Par la suite, donc là, bon, ça c'est l'image du chevalier classique. On va voilà. Passer. Alors attends, pourquoi il a une tête de d'aigle là, ouais, bon, ben ça. C'est un côté Osiris. Donc ça, c'est le on voit l'armement du chevalier typique de la fin du XIIIe siècle, hein, avec un haume fermé et puis une cotte de maille. L'armure, hein, c'est fin XIVe siècle. Hein. On l'a déjà dit, hein, oui, quand on prend des chevaliers en armure, c'est pas du tout Moyen-Âge l'armure. Alors l'image d'après, donc, c'est une image extrêmement intéressante et qui montre les rapports hommes-femmes à travers cette image. Ah, voilà. Alors on voit les dames qui sont en train de... Alors voilà, les dames qui sont là-haut, elles sont là avec leur, voilà, ces jeunes femmes, et on les voit, et les mecs qui sont en train de... se battre comme des chiffonniers. Donc ouais. Ça, c'est une image de tournoi. Pourquoi on voit c'est une image de tournoi? Parce que c'est pas, ils n'ont pas des casques de guerre avec. C'est dans les tournois qu'ils portent les signes sur les hommes. D'accord. Tu vois, hein. Hein, et on voit qu'ils ont des épées de, émoussées c'est, ou des bâtons de fer. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un tournoi. Et donc dans toutes les. On voit. De multiples images, donc ce tournoi qui sont des simulations de guerre, et au XIIe siècle, il y avait autant de morts dans les tournois que dans les guerres, il y en avait même plus, quoi. Ouais. Les armes n'étaient même pas émoussées, ils s'entretuaient dans les tournois. Alors après, évidemment, on a essayé de réguler tout ça, et puis on a employé des armes émoussées, et après des bâtons seulement, voilà. Ouais. Mais c'était quelque chose de très dangereux, et on voit toujours des estrades sur lesquelles ces dames regardent ces vaillants chevaliers en train de se foutre sur la tronche. Et ouais, de choisir. Font hein, des signes, en ah fait. Tiens, celui-là, il est. Tiens, celui-là, il est pas mal. Et alors, en fait, hein, c'est celui qui est vaincu au tournoi, hein, il rentrera chez lui, ah, il ira. À queue basse, comme on dit. Il rentrera à queue basse. Il pourra aller qu'au boxon, hein, c'est tout. Hein, il n'aura pas l'une de ces dames. Ouais, donc on voit donc, public. Et donc, évidemment, ces chevaliers portent les couleurs des dames. Hein. Ils se battent pour les dames. Ouais, d'accord. Ah, ils se battent pour les dames. Ah bah bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Bien sûr. Chaque bien dame a son chevalier qui porte un objet à elle. Il y a donné un mouchoir, un foulard, quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, c'est un peu rituel presque ça. Ah bah oui, et puis il a intérêt à gagner, parce que sinon. sinon, pas de. Ah voilà, on voit. Sexe. Voilà, voilà. Là, on a encore une autre image où c'est qui est typique, hein, qui est l'image typique médiévale où ces messieurs se battent et, sous le regard de ces dames. Et donc, c'est ce qui montre un petit peu le. Et puis les dames sont en haut, quoi, tu vois, ils ont une position ouais, bah, complètement, un peu ouais. Sociale d'arbitre en fait. Hein. Oui, c'est marrant parce qu'elles font toujours des signes en plus un peu. Là, on a vu déjà cette image-là. Et puis là, c'est plusieurs qui sont en train d'égorger. Hein. C'est... Ouais. Ah. Eux là ils sont en train de se faire égorger, leurs casques sont tombés à terre en fait. Ouais. Oui, ben non, mais il y avait des morts, hein. T'as vu, là, celui-là, lui, ah bah... il l'a pris Tlac et il l'a pris. Ah bah il par va l'exécuter, non. Et puis il dit, là, tu vois, je sais pas ce que ça va faire, mais pas terrible. Hein, voilà.
Là, pour l'image d'après, là, on voit les vêtements au XIIIe siècle qui deviennent très, très billarés, très colorés, très sophistiqués. Ouais. Hein. Là, c'est pareil, reconnaître les hommes des femmes, c'est pas évident, quoi. Non, pas trop. Ouais. Hein, même dans la représentation, c'est pas... Ça... Mais ça changera. Hein. À moitié du XIVe siècle, la mode va changer. Hein. Là, on voit aussi le... Donc là, les colifichets qu'achètent les femmes, là on voit la femme avec sa surcote, hein, sa cote, sa surcote, et puis son touret. Hein. Voilà, elle a pas de ceinture, mais elle a sa ceinture, elle est en dessous la surcote, parce qu'elle a toujours son aumônière, tu vois. Elle a toujours une aumônière avec ses petites affaires dans son sac. Un petit chien aussi. Voilà, toujours là, c'est montré avec les petits chiens. Il y a beaucoup d'animaux domestiques au Moyen-Âge, des chats et des chiens. Hein. On les voit partout, dans toutes les iconographies. Et puis là, on les voit, donc le jeune homme, il a dû gagner au tournoi, hein, là, sur cette image-là. Oh, il y a tout un tas de symboliques. Donc on les voit, que là, on les voit bien qu'ils sont habillés pareil, quoi. Ouais, ouais. Hein? C'est marrant, ça. Ouais. Et puis bon, il y a un oiseau qui mange. On ne sait pas quoi. Voilà, c'est 1300, 1310, quoi. C'est le début c'est l'époque des rois maudits. D'accord. Hein? Donc on voit qu'au travers donc ce fil à mort, on va... c'est peut-être un peu décousu, mais on ne peut pas faire quelque chose de linéaire. Hein. Le linéaire, c'est quelque chose qui est quasiment infaisable. Là, prends fine à mort, il y a encore des images intéressantes. Hein. T'as regardé fine à mort, là. Là, on voit ça, c'est une iconographie qui est tirée des chevaliers de la table ronde. Ah. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Parce qu'on voit les femmes qui sont là, Voilà, mais c'est un roman. C'est quand même un roman, mais là, ils sont pas là, ça, c'est pas du tournoi, ça. Là, ils s'entretuent, tu vois. Ouais. Ils s'entretuent réellement. C'est la guerre, tu veux dire? C'est la guerre. Hein, on voit bien que ici, tu vois, tu l'as... Oui, mais ils n'ont plus les décorations sur les hommes, là, en plus. Non, parce que ça, c'est du 15e siècle. Hein. D'accord. Et on voit que c'est du 15e siècle. Mais au 15e siècle, ils avaient des décorations en tournoi. Donc, on voit justement que c'est la guerre. Hein. Donc, c'est... Bon, à la guerre, il n'y avait pas les femmes qui regardaient, mais c'est une représentation, quand même. Que ils se battent sous le regard de ces dames. Oui. Et donc là on voit aussi, ça aussi c'est tiré des chevaliers de la table ronde, c'est Lancelot et Guenièvre. Hein, qui, alors on voit là, on voit que c'est du 15e siècle, de par la surcote qui est échancrée. C'est Agnès Sorel qui va mettre ça à la mode. Hein. Agnès Sorel. Hein, c'est voilà, qui est chancrée. Un anagramme. Voilà. Là, une lointaine ancêtre, certainement, on dit Agnès Sorel, c'est marrant. Alors, je voudrais quelques éléments. D'André Le Champlain, faut que je mette mes lunettes parce que... Ah voilà, tiens, tu prends ici André Champlain. André Champlain. Voilà. Voilà. On va édicter les règles d'amour. Ah oui. Non, alors ça, c'est pas ça. C'est pas ça. L'amour courtois. Le dé à mort. Dé à mort. Voilà. On va apprendre l'histoire du dé à mort. Donc, c'est le
André Champlain qui était à la cour de André Le Chaplain plutôt, hein, qui était à la cour de Champagne de la fille d'Aliénor d'Aquitaine, qui après sa mort, enfin, qui a repris le flambeau de l'amour courtois et qui a, on va dire, sponsorisé Chrétien de Troyes et puis toute la littérature courtoise. Mmh. Et donc, André Le Chaplain a écrit un livre qui s'appelle Le De Amor avec un certain nombre de préceptes. Et ces préceptes ont été édictés par Marie de Champagne, la fille de Aliénor d'Aquitaine, et Aliénor d'Aquitaine. Et donc ça, c'est les règles. Voilà. Donc ça, ce sont les règles amoureuses. Alors c'est marrant parce par que... des femmes. Ah bah oui, ça commence bien. Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on a le droit de tromper, quoi. Et on va voir. Les préceptes sont étonnamment modernes. Hein. Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer. Le premier, qui n'est pas jaloux ne peut aimer. Deux. Déjà. Très féminin. Ouais, très féminin, demande du mec macho. Trois, on ne peut accorder son cœur à deux femmes à la fois. Bon. Ça se voit que c'est les femmes qui ont écrit. Par contre, l'inverse n'est pas écrit. Je ferai remarquer. L'amour augmente ou diminue, il se renouvelle sans cesse. L'amant ne peut rien obtenir sans l'accord de sa dame. Hein? Oui, mais les hommes vont se conformer à ça, mon vieux. À ça. Mais c'est énorme parce que. C'est des femmes qui édictent ça. Je crois que on va l'envoyer à Caroline Forest, ton texte là. L'homme ne peut aimer qu'après la puberté, c'est normal. Ouais. À la mort de son amante, un délai de 2 ans est nécessaire avant de s'adonner à un nouvel amour. Voilà. Personne ne doit être privé de l'être aimé sans la meilleure des raisons. On ne peut aimer sans y être incité par l'amour. Amoureux n'est pas avare, ouais. Ça j'aime beaucoup. C'est les meufs, elles ont pas par mal d'ordre. Amoureux n'est pas avare. Comment est ta carte de crédit, t'as une bonne chérie. Ça me fait penser la phrase qu'il disait à Céline, t'es beau comme Crésus là. Tu vois, c'est fin du 12e siècle. Hein. Ah ouais, bah, mais on va voir que ça, c'est l'objet de ça, d'une controverse dans le roman de la rose, qu'aura critiqué Christine de Pizan, parce que bon. Alors on va voir si on a le temps de parler de tout ça, parce que... Ouais, c'est l'heure de la pause, là, en plus, de la deuxième pause. Ouais, bon, attends, on va essayer. L'amant doit aimer une femme de condition supérieure à la sienne. Donc, ça aussi, ça fait partie de... C'est-à-dire, en plus, chevalier courtise la femme du suzerain. Ouais. Hein? Voilà. Alors, est-ce qu'il couche, est-ce qu'il couche pas? Parce que ça, il y a un peu d'adultère là-dessus. Bah déjà, t'as le droit de t'aimer sans mariage. Il faut que tu courtises une femme supérieure, mais c'est une femme qui est mariée, tu vois. Donc, alors, il ne faut pas oublier que le dé à mort, là, sera interdit par l'Église en 1277. Ah ouais? Ah oui. Ça. Tu vois que ça rigole pas, hein. L'amour doit rester secret s'il veut durer. Évidemment, si tu te tapes... Elles vont penser à tout. Elles vont penser à tout. Absolument, c'est très important. La conquête amoureuse doit être difficile, c'est ce qui donne son prix à l'amour. Donc, et en plus, ça te fait galérer, quoi. Le parfait amant pâlit en présence de sa dame. Quand un amant aperçoit l'objet de son amour, son cœur... tressaille, un nouvel amour chasse l'ancien, seule la vertu rend digne d'être aimé. Lorsque l'amour diminue puis disparaît, il est rare qu'il reprenne vigueur. L'amoureux vit dans la crainte. Ah bah, l'amoureux vit dans la crainte, j'aime bien. C'est... La jalousie fait croître l'amour. Ouais. Lorsqu'un amant soupçonne son amante, la jalousie et la passion augmentent. C'est énorme. Ah ben, tromper, ça fait monter l'amour et tout. Elle est énorme. Tourmentée par l'amour, l'amant dort peu et mange moins. L'amant doit agir en pensant à sa dame. Le parfait n'aime que ce qu'il pense plaire à sa dame. L'amant ne saurait rien refuser à celle que son cœur a élue. Hein, tu vois, c'est... Ah ben elles ont tout fait. Ah ben, elles étaient... L'amant n'est jamais rassasié des plaisirs que lui apporte sa dame. Le plus petit soupçon incite l'amant à être obsédé sans relâche par l'image
de celle qu'il aime. Je sais pas, il manque quelque chose. Amour ne rime qu'avec, pas avec luxure. Le véritable amant est obsédé sans relâche par l'image de celle qu'il aime. Rien n'empêche une femme d'être aimée par deux hommes et un homme d'être aimé par deux femmes. C'est un peu contradictoire. Ils étaient, j'ai envie de dire... très libéré à l'époque, hein, quand même. Voilà. Alors, ça, c'est pas l'amour platonique. Hein. Ah non. Donc, c'est des règles qui sont... C'est tonique. Il n'y a pas le plat. Là, c'est le De Amor d'André Le Chapelain. C'est vraiment la Bible du fin amor. Hein. Ouais. Voilà. Donc, les hommes essayent de se conformer à ces préceptes écrits par Aliénor d'Aquitaine et sa fille. Ah bah, y a des femmes qui voudraient revenir à ces règles-là, visiblement, tu vois, qui me disent « revenons à ces règles ». Ah bah, c'est normal. Et moi, quand je me suis beaucoup intéressé à ça, au début, j'ai écouté les balivernes du 19e siècle, puis je me suis mis à réfléchir. Mais j'ai dit, mais ces histoires d'amour courtois, puis ces problèmes sur la... les polémiques sur le roman de la rose avec Christine de Pizan sont étonnamment modernes. Tout ça, c'est extrêmement moderne, quoi. Hein, on voit que c'est des gens qui sont quasiment comme nous, quoi. Il y a une femme, il y a Véronique Isabelle qui dit « Les hommes étaient soumis, le rêve. » Puis moi, elle s'est fait troller à la moins 5, tu vois, direct. Elle est... moins 8, pardon. Elle s'est fait troller. Bon, bah, en tout cas, écoute, on va faire la petite pause et puis on revient juste après pour justement... finir et puis avec ces femmes. Ouais, on va parler des femmes célèbres. Et on va parler des femmes célèbres. Voilà. Des femmes couillues. Hein, à l'époque, mesdames, c'est vous qui commandiez, hein, ça vous plaît ça. Eh ben non, maintenant c'est Caroline Forest, tout le monde est au même niveau. Et oui. Donc, on fait une pause et on revient juste après. À tout de suite. Voilà. Philippe IV et ses enfants. Voilà, donc de retour toujours avec Alain et on va. Alors là, on va voir la généalogie. Non, voilà, on va repartir de cette histoire d'amour courtois et les effets. Ah oui, pardon. Ah bah oui, si on ne t'entend pas. Moi, je suis accroché, donc je peux causer. Et donc, les effets sur l'histoire de France et les débuts de la guerre de 100 ans, ça nous permettra de parler de deux ou trois dames importantes de la guerre de 100 ans. Donc, on a déjà, tu te rappelles, les rois maudits, j'avais fait ça pour les rois maudits, et donc, pourquoi on n'a pas de reine de France. Donc, le monde connaît l'affaire des Brus du Rouen. Tu prends Philippe IV et ses enfants. Il n'est pas dans le... T'as pas Philippe IV et ses enfants? Non, j'ai copié de ses... Bon, alors, donc on sait que le successeur de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, voilà, et donc Louis X le Hutin, qui a épousé... Philippe IV dit Philippe le Bel, hein, précisément. Voilà, Philippe IV dit Philippe le Bel, qui a épousé Marguerite de Bourgogne, voilà. Et que Marguerite de Bourgogne et sa sœur, Jeanne d'Artois, ont été prises, hein, avec des jeunes chevaliers, donc selon les règles de l'amour courtois, donc le jeune chevalier qui courtisait la dame de son suzerain, et que ça a dû se terminer au lit. Donc cet amour dit fin amor finalement n'est pas du tout un amour platonique, hein, ça se termine souvent par une partie de sexe, et donc c'est le grand scandale, hein, de l'histoire des rois maudits. Et que donc on sait que Marguerite de Bourgogne et donc Jeanne d'Artois seront tués, hein. Les deux chevaliers seront atrocement torturés, mutilés,
écorché et que c'est émasculé, etc. Et donc ces deux princesses seront enfermées et donc mourront dans leur prison. Voilà. Et donc Marguerite de Bourgogne et Louis X de Lutin ont une fille, Jeanne II de Navarre, et n'ont qu'une fille, et cette fille aurait dû être reine de France selon les règles féodales. Donc parce attends, que... pour bien comprendre, Jeanne de Navarre, c'est la femme de Philippe le Bel. Jeanne Première. Jeanne Première de Navarre. Ouais, ils ont eu un enfant, donc Louis X le Hutin, qu'on appelle Louis X. L'aîné, qui est roi, qui est devenu roi à la mort de Philippe. Qui est devenu roi à la mort de Philippe le Bel. Et qui s'est marié avec Marguerite de Bourgogne, et ils ont une fille qui s'appelle Jeanne de Navarre. Jeanne de Navarre. Voilà. Et qui s'est mariée avec Philippe III de Navarre. Bon, alors, Jeanne de Navarre, selon les règles de féodales, aurait dû être reine de France. D'accord. Voilà. Et donc, elle est reine de France parce que les Valois, le frère de Philippe IV, ont commencé à lever les bras au ciel. Ah oui, voilà. Mais peut-être que, étant donné que Marguerite a la cuisse légère, peut-être que sa fille n'est pas de sang royal. Donc, ils ont argué de ça. D'accord. Donc, ils ont d'abord... dit, bah, à ce moment-là, on va faire en sorte que ce sera Philippe V qui le long qui sera roi. Bon, on sait que Philippe V qui était le frère de Philippe le Bel. Hein. On sait que tous les frères n'ont pas de descendance mâle et que finalement, tout ça, c'est une histoire qui a été racontée par... Les Rois Maudits, qui c'est qui a fait le livre Les Rois Maudits Ouais, j'ai oublié. Ça, ouais, bon. Parler. Alors attends, pour bien comprendre, donc Philippe V ensuite, il se marie avec Isabelle. Voilà. Mais bon, on va pas reprendre toute l'histoire des Rois Maudits. C'est pour dire que cette affaire d'amour courtois s'est terminée en scandale et en coucherie, et que en fait, de ce fait-là, on a inventé une loi qui s'appelle la loi Salique, qui est une invention pure et simple, qui veut dire que le royaume de France ne peut pas passer de lance en quenouille. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir de reine. Donc on a inventé ça pour empêcher Jeanne de Navarre d'être reine. Hein, et donc on a pris la descendance du frère de Philippe le Bel, Charles de Valois, et donc c'est Philippe VI, et donc la branche capétienne va passer aux Valois, de ce fait-là. Et donc ça sera toute l'histoire de la guerre de Cent Ans. Parce que, en fait, avant qu'on édicte la loi salique, Jeanne, on a fait renoncer Jeanne au trône de France. Elle a écrit, on lui a donné des avantages, mais en fait, ce n'est pas la loi salique qui l'a fait qu'elle est parraine, c'est qu'elle a renoncé volontairement au titre de reine de France. Hein. Et donc, à ce moment-là, renonçant au trône de France, c'était le fils d'Isabelle, tu vois, de France. Donc la femme du roi d'Angleterre. La femme du roi d'Angleterre. Qui était aussi la fille de voilà, Philippe le Bel. Donc, normalement, selon les règles féodales strictes, c'était donc Édouard III qui devait être roi de France. Et donc, la guerre de Cent Ans commence là. Parce que Édouard III dit, le roi, c'est moi. Et Philippe VI dit, non, le roi, c'est moi. Voilà. Et donc, pendant 100 ans, Anglais et Français vont se bagarrer justement sur ce fait même que cette pauvre Marguerite de Bourgogne, férue d'amour, de fine amour et des préceptes d'André Le Chapelain, a... C'est Druon, voilà. Druon, voilà, Maurice Druon, a succombé devant un beau chevalier. Hein, et ils ont été pris... au lit, je sais pas, mais enfin, en tout cas, bon, sous la torture, ils ont avoué que c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est que l'histoire du fin amour n'est pas donc de l'amour platonique. Hein. Ouais. Bon. Donc, on va arriver à la guerre de Cent Ans. Donc, on sait que les femmes sont crédibles, donc les femmes, on va regarder par exemple rapidement les métiers de femmes, hein.
Ouais. On va passer plusieurs métiers de femmes. Donc, les femmes ont des métiers, sont musiciennes, sont peintres sur fresque, sont font des enluminures, sculpteurs, encore musiciennes. Voilà. Ah ouais, et donc on voit même que donc des métiers, hein, et ici même forgerons. Donc les, tout ce qu'on nous raconte que les femmes ne pouvaient pas accéder à des métiers. Les femmes font des tas de métiers. Là on voit une femme, alors pour expliquer ce qu'on voit, donc là elle est en train d'escribe, c'est ça? Là elle fait des enluminures. C'est quoi des enluminures? Enfin des petites peintures, tu sais, sur les livres qui étaient décorés. Sur les livres décorés. Bon, voilà. Là, elle est femme sculptrice. Ça se dit d'ailleurs sculptrice. Bon. Les femmes ont des métiers, peuvent être maîtresses, peuvent avoir des apanages, peuvent être seigneurs avec tous les pouvoirs qu'elles ont. Donc, on va passer à l'histoire de Yolande d'Aragon, de Jeanne la Pucelle et de Agnès Sorel. Voilà. Alors, Yolande d'Aragon a joué un rôle extrêmement important à la moitié de la guerre de Cent Ans, hein, puisque, alors d'abord, elle n'est pas française, hein, elle est d'Aragon, c'est la fille du roi d'Aragon, et donc il y a un problème de succession sur le trône d'Aragon, puis il y a un problème entre l'Anjou et l'Aragon qui date du temps de l'antagonisme entre l'Aragon et l'Anjou sur les terres d'Italie et de Sicile. Bon, voilà, donc ils ont essayé de régler le problème en mariant Jeanne d'Aragon avec Louis d'Anjou. Mais bon, ça n'a pas trop marché, mais le père Louis d'Anjou, lui, il a passé toute sa vie en Italie, à guerroyer, et il a laissé à sa femme s'occuper de ses fiefs, la gestion, du Maine et Anjou. Et donc, elle a pris fait et cause pour le parti Armagnac, hein, c'est-à-dire le parti français, et donc elle avait beaucoup de biens, et elle a passé sa vie à monter des coups, hein, à marier ses enfants avec les uns et avec les autres et à intriguer et monter des coups pour supporter Charles VII et la France contre les Anglais. Hein, elle a passé sa vie à ça. Et parmi, évidemment, ces coups, elle a quasiment enlevé Charles VII, parce que Charles VII, c'est le troisième fils de l'inverse de Yolande, qui est Isabeau de Bavière, c'est elle qui a vendu la France. La France aux Anglais. D'ailleurs, ce qu'elle lui dit, on va essayer de retrouver les paroles qu'elle dit à Isabeau de Bavière, hein, et d'abord elle marie sa fille avec Charles VII, voilà. Donc elle dit, donc elle avait pris en charge le jeune Charles VII, et donc quand Yolande en 1417 devient un veuve, elle rejette la demande de la reine Isabeau de renvoyer Charles, devenu dauphin après la mort de ses frères, parce qu'il faut dire que là, Charles VII, c'est le troisième, hein, on a deux qui sont morts d'une façon curieuse quand même, hein, à la cour. Alors on rapporte qu'elle répondit, « Nous n'avons pas nourri et chéri celui-là pour que vous le fassiez mourir comme ses frères, devenir fou comme son père et devenir anglais comme vous. Je le garde près de moi, venez le prendre si vous l'osez. » Tu vois, un peu, tac. Donc,
Donc, elle, elle garde le... Parce que elle, elle a enlevé Charles VII, c'est ça? Oui, oui, alors, les deux sont morts, et puis finalement, il a dit, bah écoute, on a admis qu'il aille à la cour d'Anjou, Charles VII, hein, donc elle a réussi à ce qu'il vienne, et puis, Isabeau de Vallière voyait ça d'un mauvais oeil d'avoir son fils. À partir du moment où ses frères étaient morts, il pouvait revendiquer la couronne. Mmh. Tu vois, donc elle veut qu'il revienne, et puis l'autre, elle dit, ben, s'il revient, il va se faire trucider comme ses deux frangins. Et donc elle veut pas. Et donc elle l'emmène en Provence, elle le marie avec sa fille. D'accord. Comme ça, elle a entièrement vu sur Charles VII. Voilà. Alors, Charles VII, qui est un type très, à la fois très faible et puis qui a des complexes, tu sais qu'il n'est pas certain d'être... il croit qu'il est un bâtard, hein. D'ailleurs, sa mère lui laisse croire, hein. De toute façon, sa mère, ça fait longtemps qu'elle couche plus avec Charles VI, elle couche avec Louis d'Orléans. Qui est le frère du roi, c'est qui ça qui est le frère du roi. Et donc, on prétend aussi que Jeanne la Pucelle serait aussi une fille bâtarde de Louis d'Orléans et d'Isabeau de Bavière. Mmh. Et donc, elle n'a fait qu'intriguer dans le sens de la France. D'ailleurs, c'est Louis IX hein, ou Louis XI qui dira... Oui, ma grand-mère était une putain, sais pas. Voilà, donc si... Louis XI dira, effectivement, je ne sais pas de quel homme je descends, vu que ma grand-mère était une grande putain. Il dirait ça à tout le monde, c'est vrai que... Bon. Mais enfin, je sais pas s'il est couché avec tout le monde, enfin, il est réputé qu'il est couché avec Louis d'Orléans, ça c'est clair, et que... Bon, elle avait fait de nombreux accouchements. Donc... Elle mariera une fille avec le duc de Bretagne, donc elle se rapprochera d'Arthur de Bretagne, duc de Richemont, hein, donc Richemont qui était aussi anti-anglais. Mm-hmm. Elle fera de Richemont le maréchal de France, le chef des armées, et un chef des armées extrêmement efficace. Extrêmement efficace, alors que Charles VII avait un conseiller qui s'appelait la Trémoille, et que la Trémoille était aussi payée par le duc de Bourgogne, et que tu vois que c'est quand même curieux, quoi. Un mec, il est à la fois conseiller du duc de Bourgogne, et Charles VII, ça va pas ça trop. Ça n'existe pas les doubles allégeances. Et puis toucher beaucoup de pognon des deux côtés, ouais. et finalement, elle essaiera de le faire assassiner, mais il était très gros, et donc le poignard, il n'a pas été jusqu'au truc, mais... Mais finalement, il sera disgracié et mettra un de ses fils comme conseiller de Charles VII. Hein, et donc, aussi, donc il y a toute l'aventure de René d'Anjou. Alors, le fameux René d'Anjou, qui sera duc de Bar. Hein, donc, elle intriguera pour que le duc de Bar, qui est un archevêque, qui n'a pas d'enfant, adopte son fils, qui deviendra duc de Bar. Le Barrois, c'est où il y a Don Rémy. Où il y a Jeanne, et elle va marier son fils avec la fille du duc de Lorraine. Hein, voilà, donc, et donc on verra que après Agnès Sorel viendra de la cour de Lorraine et de René d'Anjou, et c'est elle qui va inciter Charles VII à relancer la guerre contre les Anglais. D'accord. Donc, quand... Alors, évidemment, on a parlé souvent ici de Jeanne, qui est toujours dans l'entourage des Anjou, hein, de René d'Anjou, et que quand elle arrive à Chinon, mm-hmm. et qu'on doit la visiter, Jeanne, la Pucelle, pour voir si elle est Pucelle, c'est évidemment Yolande d'Aragon qui s'en occupe. C'est elle qui... Voilà. Bon. Donc on voit que cette Jeanne est perpétuellement sous la coupe de la
de la maison d'Anjou, que ce soit René d'Anjou ou de Yolande d'Aragon. On sait que pendant le siège d'Orléans, alors c'est elle qui paye l'armée de Jeanne, hein, qui part de Blois, c'est elle qui paye, et qu'elle, elle croit beaucoup dans l'artillerie. Alors, ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il faudra que je fasse une émission sur l'art de la guerre un jour, hein, dans une petite polémique avec notre amie Personne, si elle nous regarde, je la salue, hein, donc on s'est un petit peu chamaillé ces derniers temps. J'avais fait un reproche qu'elle ne comprenait rien à la politique. Oh ben juste ça. Non, mais je suis un peu excessif. Et elle m'avait dit que moi je fais de l'art et pas de la politique. Et vous faites de l'art, mais c'est de l'art de la guerre. Parce qu'évidemment, mon truc, je parle toujours de la guerre. Bon. Mais l'art de la guerre, c'est quelque chose d'intéressant qui m'intéresse beaucoup. Et donc là, on a vu que pendant la guerre de 100 ans, pendant très longtemps, les Français étaient toujours battus par les archers anglais, hein, ouais. Et que finalement, ils ont monté d'un cran dans la guerre, puis ils ont utilisé l'artillerie, et qu'à partir du moment où ils ont utilisé l'artillerie à poudre, bah, ils ont battu les Anglais. Et donc, c'est Yolande qui va pousser donc l'artillerie, qui va pousser les frères Bureau, qui va fournir l'artillerie à Orléans et les fameuses couleuvrines à main, hein, ces fameux chiens verts donc, qui parlaient Charles VII, donnez-moi des chiens verts, puis c'est tout, j'ai besoin que ça. Et puis les premiers combats de sniper, c'est elle qui va fournir son tireur, Maître Jean. Qui fera des ravages parmi les Anglais avec sa couleuvrine à deux coups. Hein, vraiment des ravages. Et donc, voilà, cette femme a un peu bouleversé. Alors, quelle soit l'origine de Jeanne la Pucelle, que ce soit elle ou son fils René d'Anjou, que ce soit une affaire de Templiers, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette famille-là que Jeanne a émergé. Mmh. Alors Jeanne a émergé dans la maison d'Anjou, mais elle était crédible. Elle participait au conseil du roi, tu vois. Elle a compté énormément. Alors, derrière, il y a Agnès Sorel. On va terminer par Agnès Sorel. Agnès Sorel qui... Et si tu trouves un JPEG à Agnès Sorel, hein, voilà celui-là. Ah, c'est elle. Voilà. Alors, Agnès Sorel, c'est une suivante de la femme de René d'Anjou. D'accord. Hein? Donc, il la rencontre. Quand il va donc faire un voyage en Lorraine, hein, en fait c'est des amis, c'est la famille, hein, la famille d'Anjou, il tombe raide amoureux. Alors évidemment là, Yolande d'Aragon est sur la fin, hein, donc elle est sur la fin, hein, quand elle est morte juste 2 ans après que Charles VII ait rencontré Agnès Sorel. Donc on peut penser tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est quand même un drôle de hasard, parce que c'est quand même elle qui va inciter Charles VII à reprendre la guerre contre les Anglais. Hein? D'accord. Alors que lui, il avait un peu lâché l'affaire. Alors lui, il avait complètement lâché l'affaire. Hein? D'abord, il s'en foutait. Lui, Charles VII, c'est un type qui était... Enfin, pour moi, il est peu intéressant humainement. Mmh. Ce qui comptait, c'est son harem, c'est ses femmes, aller de château en château, puis choisir dans son harem la femme du soir. Quoi. Et pratiquement, toutes les femmes de son harem étaient fournies par Yolande. D'accord. Vois, hein, mais on sait que Yolande entretenait des corps de femmes espionnes, tu vois. Voilà, donc... Elle travaillait comme ça, bon. Toujours est-il que cette Agnès Sorel a une beauté sublime dans les canons
canons de, les canons d'époque, hein, c'est-à-dire le canon d'époque, c'est-à-dire le teint extrêmement pâle et blonde. Hein, puis on avait parlé de la blondeur, c'est important, mais les femmes aussi se teignaient les cheveux, hein, comme, comme maintenant. Hein. En blond ou en roux. Et elle était une experte au lit. Oui. Hein, voilà, c'est une experte au lit. Et lui, lui qui avait à sa disposition beaucoup de femmes, il passe surtout son temps avec elle. Et elle... elle monte les canons de la mode, alors notamment donc la poitrine, hein, c'est que avant... Bah, là, elle monte sa poitrine sans, sans problème, quoi. C'est voilà. Ça, donc là, elle est en vierge à l'enfant, mais c'est elle qui va imposer, enfin qui va, oui, imposer la mode des décolletés plongeants en V et de montrer les seins. Là, on voit ici, hein, sur ici, oui, et on voit la femme, elle est téton. Ah bah les cinq ici. Hein, voilà, là elle était invisible, hein, ça c'est la fin du Moyen-Âge. Là, donc là on a changé complètement. On a changé d'allure. Hein. Et donc le rouge à lèvres, hein, donc le, avant on avait le teint très très pâle, un peu de rouge sur les joues. Donc elle va se teindre les lèvres, le haut du crâne. Alors on aimait les femmes au front bombé. Donc elle va se raser le haut du crâne. Donc les femmes, la beauté féminine, c'est le fond bombé, très haut, marrant, ça, ouais. Très très haut, rasé. Les sourcils très très épilés. Hein. Et, mais c'est surtout le corsage qui va s'échancrer. Hein, et les robes sont moulantes. Donc la femme devient, avec Agnès Sorel, carrément sexy. Et toutes les femmes de la cour, évidemment, vont s'habiller pareil. Voilà. Donc avec la paix d'Arras en 1435, donc c'est la trêve, hein, donc, c'est là que Charles VII il fait la paix avec les Bourguignons. Hein, donc il y a des discussions où c'est surtout l'affaire du meurtre de Jean sans peur qui pose problème, donc il fallait arrêter les auteurs de ça. Il y avait un ensemble de clauses pour que les Bourguignons arrêtent leur alliance avec les Anglais. Donc ces clauses sont signées, Charles VII ne les respectera pas, il ne respectera rien d'ailleurs de toute façon. De tout ce qu'il signera, c'est un type qui n'a jamais de parole. et bon, mais le fait que les Bourguignons ne sont plus alliés des Anglais, les Anglais sont toujours en Normandie et en Guyenne. Hein, et lui, ça lui va. Ça lui va, et il se balade sur ses châteaux de la Loire, il s'en fout. Alors la guerre continue d'une façon larvée, et le pays est très très mal, parce qu'il y a des bandes armées qui circulent de partout, il y a tous les compagnons de Jeanne d'Arc, hein, qui étaient en fait des chefs de bande, en fait, hein, hein, comme de Culan, comme La Brosse, comme tout Xantraille, Poton et tout ça, sont des chefs de bande, des soudards qui vivent de pillage et puis qui font leur guerre un peu comme ça, à la va comme je te pousse, contre les Anglais, un coup ils gagnent, un coup ils perdent. Ils reprennent comme avant, le même cirque. D'accord. Qu'avant, et le pays va très mal. Le pays va très mal. Et donc, Agnès Sorel lui dit, bah, écoute, il faut que tu reprennes la Normandie. Et il faut reprendre la guerre. Et puis, lui, il ne veut pas. Et finalement, elle va lui dire que... Donc, on croit beaucoup aux prophéties. Mmh. Elle lui dit, moi, j'ai vu une voyante, une prophète, qui a dit que moi, Agnès, je serai avec un roi vainqueur. Mmh. Elle m'a dit, bon, bah, faudrait que peut-être que j'aille voir le roi d'Angleterre. Alors l'autre, il prend la mouche, quoi. Ouais, ouais. Hein? Puis alors, à force d'être comme ça, d'être aiguillonné, finalement, il décide de repartir en guerre. Alors même les Anglais n'ont plus la force d'avant, hein, et...
il crée ces fameuses compagnies d'ordonnance, c'est-à-dire une armée régulière, hein, qui n'est plus une armée de soudards, et il va reprendre la Normandie, ce qui fait les doigts dans le nez, parce que les Normands en ont marre des Anglais, ils ouvrent les villes, et il reprend la Normandie très, très simplement. D'ailleurs, Agnès va le retrouver en Normandie, elle est enceinte, et c'est au cours de ce voyage qu'elle tombe malade et puis qu'elle meurt en arrivant d'un flux de ventre. Et donc on a vu en analysant ses restes qu'elle avait un taux de mercure extrêmement important. Ça signifie quoi ? Ben donc on pense qu'elle aurait été empoisonnée parce qu'elle prenait du mercure, elle avait des vers, si tu veux, tu vois, les gens avaient beaucoup des vers, des ténias, des trucs comme ça, mmh. hein, parce que la viande se conservait mal, et donc elle avait ça, et donc on prenait donc du mercure pour tuer ces vers, hein, qui est un poison, mmh. on en prenait peu, et là, elle avait une dose de mercure complètement létale. Donc quelqu'un avait dû lui forcer la dose. Donc elle est morte de ça, donc on pense que c'est... Bon, je sais pas quoi, on pense... une autre de qui voulait prendre sa place. Mais bon, toujours est-il que elle aussi, donc c'était évidemment une grande patriote, c'est elle qui a poussé Jacques Coeur, hein. Jacques Coeur qui financera beaucoup les armées royales et qui aussi la financera elle, hein, dans tout le luxe qu'elle pouvait avoir. D'ailleurs, dès qu'elle sera morte, Jacques Coeur sera disgracié. Hein. Donc Charles VII n'aura même pas la bienséance tu vois, et Jacques Coeur lui a donné énormément d'argent pour financer l'armée, et puis il a failli être exécuté, donc il a été banni du royaume de France. Okay. Voilà. Et donc voilà, elle aura changé la mode complètement, changé la France aussi, puisque à partir de là, la Normandie aurait pu rester anglaise et la Guyenne. Donc la reprise de la Normandie s'est faite facilement. Les Anglais envoient un corps expéditionnaire de Cherbourg qui est battu à la bataille de Formigny grâce à l'artillerie. Hein, parce que tu sais que les Anglais, eux, ils étaient toujours restés à la même tactique avec les archers. Donc là, la bataille de Formigny, c'est des couleuvrines. Donc il y avait les Français avaient des couleuvriniers de l'autre côté. Ils avaient une guerre d'avance. Oui. Et donc ils abattent complètement les archers anglais. Et donc les Anglais sans les archers, ils valent zéro, quoi. Après, ils sont balayés par la cavalerie. Le reste. Alors après, donc il va reprendre la Guyenne et puis ça va se terminer par la bataille de Castillon, qui est aussi une bataille d'artillerie. Et c'est l'artillerie française qui va en terminer, et l'artillerie des frères Bureau qui va permettre à la France de bouter l'anglais hors de France. Alors on me demande, parce que tu sais, il y a pas mal de questions, alors, et on me demande, est-ce que pour les femmes avaient un rôle dans la politique, pour les mariages arrangés, etc., est-ce qu'elles avaient leur mot à dire? Est-ce que... Oui, il y avait des marieuses, hein. Il y avait déjà des marieuses. Dans tous les corps de la société, il y avait des marieuses. C'est quoi une marieuse? Marieuse, c'est d'arranger les mariages. Hein, c'est de dire, voilà, alors les mariages, c'était rarement des mariages d'amour, c'était des mariages de raison. Oui. Hein, et donc, il y avait des femmes qui étaient là pour trouver des bons maris, etc. Et on voit Yolande d'Aragon qui passe son temps à marier ses enfants. Elle fait des mômes, hein, pour les marier avec Pierre-Paul Jacques pour des fonctions politiques. D'accord. On me demande, c'était quoi l'espérance de vie aussi à l'époque? Elle était quand même assez faible. Hein. L'espérance de vie, c'était 40-50 ans. 40-50 ans.
Voilà. Donc on valait mieux se marier à 15. Ouais. Bah, ça dépend dans les périodes de guerre. Si tu veux, le 13e siècle, c'est un siècle où il y a peu de guerre et c'est un siècle où il n'y a pas de famine. Hein, mais quand on arrive au 14e siècle, il y a la peste. Alors il y a la peste dans les grandes villes, c'est 60% des gens qui meurent dans les grandes villes de la peste noire. Puis la peste, la guerre de 100 ans, la population, si la population a triplé au 13e siècle par rapport au 11e siècle, au 14e siècle, la population a chuté de moitié. Ouais, d'accord. Hein? Alors, c'est marrant, bah, je vais lire la question de Victor qui demandait si tu connaissais la pièce grecque antique d'Aristophane Lysistrata où les femmes font la grève du sexe tant que les maris n'auront pas gagné la guerre. Bah, ça, c'est l'histoire de ce que tu viens de nous expliquer, mais version française. Qui, voilà. Qui lui a dit, bah, écoute, si tu gagnes pas la guerre, mon pote. Voilà, il n'y aura plus rien pour toi. Il n'y aura plus rien pour toi. Ouais. Alors, il y a aussi Eurasien qui demande. C'est pour revenir, c'est une question qu'il avait posée au début. Si on pouvait juste expliquer simplement, c'est quoi les avantages des systèmes matriarcaux et patriarcaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut qu'est-ce qui peut les caractériser, en fait, je pense, avec ses avantages, ses inconvénients? Oh bah, je sais pas s'il y a des avantages et des inconvénients. Le matriarcat, donc dans les tribus qui existent encore, donc les matrilinéaires, c'est-à-dire sont les hommes qui se déplace dans la maison des femmes, ouais. Donc la femme garde la maison, donc c'est l'homme qui vient, et les noms sont matrilinéaires, et le patriarcat, c'est l'inverse, hein. c'est ce qu'il y a chez nous, c'est que c'est la femme qui prend le nom du mari. Hein. Ouais. Voilà, et il faut dire qu'en France, la femme a été mineure jusqu'en 1961 ou 62, je ne sais plus, où il fallait demander l'autorisation du mari pour avoir un emploi. Oui, hein, tout à fait, un compte bancaire, etc. Voilà. Donc on voit que c'est récent, quoi. Alors, on nous demande, alors je ne sais pas si tu as entendu parler du récentisme. Du récentisme. Récentisme. Oui, certains historiens, qui vient de beaucoup, d'ailleurs c'était quelque chose qui vient beaucoup de Russie, et d'Angleterre, qui remettent en cause en fait l'histoire en disant qu'on nous a bluffé en gros. Alors il y en a les plus, on va dire les plus optimistes parlent de 300 ans, les plus pessimistes de 700 ans. C'est-à-dire qu'il y aurait 700 ans, 300 à 700 ans d'invention dans l'histoire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Non, d'accord. Bon, ben voilà. Parce qu'on m'a posé la question, parce que nous on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc tout le monde pose la question. Ça me paraît difficile à croire. Bah, c'est ce que nous disait aussi Marion Sigaud. Pour elle, c'était improbable. Elle a dit les documents existent, je ne vois pas en quoi. Non. Parce qu'en gros, ramènerait comme si. Le prophète Mohamed serait de la même époque que Jules César. Non, il y a suffisamment de traces écrites dans l'histoire quand même pour que la chronologie soit connue. Oui. Oui. Donc voilà, bon bah toi tu partages le même avis que Marion que c'est pas possible. On me demandait oui, qu'est-ce que c'est les couleuvrines? Bon, on va le rappeler, c'était des produits. La couleuvrine à main, en fait, c'était un petit canon. C'est l'ancêtre du fusil. Ah, bah, il y a quelqu'un qui lui a mis en plus une photo de couleuvrine. Une couleuvrine à main, c'est l'ancêtre du fusil. Donc, il y a une balle de plomb, comme un fusil, donc qui charge par la bouche. Et puis, voilà, c'est une mèche. Hein, c'est une mèche qui boute le feu. Voilà, on n'épaule pas encore, on tient sous le bras. Hein, mais. Ça fera beaucoup de dégâts. Hein. Et il y en a à deux coups. D'accord. On me dit, c'est bien connu, nous vivons aujourd'hui longtemps grâce à notre médecine pasteurienne. Avant, on mourra à 35-40 ans, sûrement à cause de l'alimentation trop bio de l'époque. Ouais, voilà, ils ne sont pas tous d'accord avec ça. Mais bon, ça, on n'a pas tellement de données, je pense, pour pouvoir se prononcer. Alors, avec quel ressentisme, c'est sûr qu'on va faire... Il va taper du poing là-dedans, il sait pas ce que c'est le ressentisme. Non, parce que le ressenti, si tu veux, sont des gens qui remettent en cause l'histoire, mais ils remettent tout, quoi. Pour eux, l'Empire romain n'a jamais existé, l'Empire arabe, c'est une aberration. Jésus-Christ serait né en 1150, en fait, quasiment, enfin, c'est... Bon, tu n'as rien à dire. Voilà, non mais il voulait savoir ton avis parce que... J'en ai pas. T'en as pas, voilà. Comme ça, mais tu risques d'en entendre parler hein, bientôt du récentisme, c'est quelque chose qui va prendre de la portée. Je suis très sceptique.
Ouais, beaucoup de justement d'historiens sont très sceptiques. Ouais. Bah écoute, merci Alain, c'est ce que c'est l'heure là, au moins que... Ouais, on est, voilà, et ben, minuit pile. Minuit passé, l'heure du crime, hein, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai essayé d'être écoute, précis, beaucoup d'images, voilà. Que vous en savez plus sur l'histoire de la femme hein, dans cette période faste pour elle. Alors après... La conclusion, on peut dire... Toutes les histoires de féministes d'aujourd'hui qui nous parlent d'une femme opprimée, de nana, etc., que elles sont, on a l'impression que les femmes sont libérées depuis les années 60, qu'avant c'était l'horreur. Non, c'est parce qu'après, il y a eu la chasse aux sorcières, le 16e siècle a été terrifiant pour la femme. Oui, oui, hein? Voilà. Voilà, il y a eu une réaction, les bains publics ont été fermés, les gens sont devenus dégueulasses, on a accusé les femmes de sorcellerie, on en a tué beaucoup. Mm-hmm. Donc il y a la réaction de l'Église qui a été terrible par rapport à ce siècle de liberté de la femme et qui a tout vissé, quoi. Et donc il faut attendre après très longtemps pour que la femme retrouve un statut important dans la société, quoi. D'accord. Voilà. Alors, tu ne seras pas d'accord avec Marion, parce qu'elle elle pense pas que toutes les... que l'Église est responsable. Enfin, c'est une longue histoire, tout ça. J'invite les gens à regarder le procès chasse aux sorcières, quand il sera en ligne, bien sûr. Parce qu'évidemment, pour le moment, il n'est pas encore en ligne. En tout cas, bah voilà, on me dit merci Alain. Soir, j'ai apprécié. Merci à vous, c'était cool. Bah, bonne soirée aussi à vous, Eurasien, Kimazouf, Canada, Bryce. J'ai vu, il y a Erwan, il y a Alien qui traîne dans le coin. Il y a qui encore, Mister Anderson, D'Artagnan, Boris, Quenellologue, Erani, Alio. On ne sait toujours pas si c'est d'ailleurs Louis Alliot ou Alliot Marie. Après, il y a Quenellologue, Alex B, Mister Ordesson, Fade, LFT Rose. Il y a Steph en plus qui est connecté aussi, qui bazouffe. Voilà, Rénui bien sûr. Il y a qui encore? Il y a Matt qui mate. Il y a Mister Don Sanus, il y a Gaspard, il y a Nourou, il y a Maurice, il y a Nécus, il y a Bryce, il y a Véronique Isabelle. Bon ben voilà, un petit poney, Libertas aussi. On vous oublie pas, bord de rire, bien sûr. Bah ouais, bord de rire. En tout cas, bah merci à vous. Demain, c'est Eric Fioril de Démosophie, donc ça aussi, ça va parler politique, vous voyez, comme ça, hier on a bien fait de faire les R Docteur, hein, plus ça, donc on se détend comme ça, hein, parce que là aussi c'est un R Docteur, mais ça c'est une longue histoire. En tout cas, merci à vous, et puis on se rejoint demain, même endroit, même heure, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao, ciao.